Bien. Donc, Konrad Schreiber, je suis votre formateur aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas, ça doit être interactif. Vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. L'idée, c'était de zoomer sur l'azote. Alors, pour me présenter, vous me connaissez peut-être, parce qu'après, je deviens un homme médiatique, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais globalement, je suis un ancien paysan. Je suis né dans le sud-ouest, qui fait un fond d'accent qui traîne. Hein. Et mes parents sont allemands, donc ils ont émigré à la fermeture du rideau de fer. Et l'agriculture qu'ils connaissent, c'est celle, on va dire, de l'est de l'Allemagne. Globalement, moi j'ai la double culture, donc ça me donne un regard un petit peu bizarre sur les Français parfois, hein, parce que bon, et sur l'agriculture et l'agronomie, les visions sont un petit peu différentes. J'ai gardé vivant l'idée de l'humus et des sols, hein, qui est une marque de fabrique de mon éducation. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une formation classique, j'ai été paysan en Bretagne pendant plus de 20 ans, sur un bail installé après un tiers, sur un bail long terme 21 ans, pour pouvoir faire les investissements et les amortir sur la ferme, en gros. Et quand est arrivée la PAC, je suis installé avec les quotas laitiers, je suis spécialisé en élevage, hein, puisque mon travail c'est le lait, hein, c'est là-dedans que j'ai bossé toute ma vie globalement. Et avec la PAC, il est arrivé tout un tas de problèmes. Donc, je me suis installé avec des quotas laitiers, problème. La PAC, problème. Et la mise en œuvre des directives, problème. Et la grande question qui s'était posée aux paysans, parce que je suis président de la CUMA à ce moment-là, il y a 50 paysans autour de la table, c'est est-ce qu'il faut se mettre aux normes, c'est-à-dire avoir finalement un papier et un règlement. Vous le respectez et vous avez le cachet pour finalement avoir votre prime, vous respectez l'environnement parce que vous respectez les normes. Donc il y avait ce débat-là. Et à côté de ça, il y avait un autre débat qui est né dans le groupe, puisqu'on était dans une zone un petit peu particulière, centre-Bretagne. J'habite à Guéméné-sur-Scorff ou à côté, et là, tout était au vert dans une Bretagne qui était en rouge. J'ai des loutres, j'ai des saumons, j'ai des truites sauvages. Il n'y a pas de nitrate dans l'eau. Et on vous dit qu'il y a un problème environnemental. Voilà. Et on vous applique la directive nitrate. Donc là, les paysans ont commencé à criser, parce que bah, ils ne voyaient pas trop pourquoi. Hein. Et en fait, la directive nitrate a été appliquée sur le canton pour un dépassement d'excédent structurel à l'époque de 2 unités d'azote. En fait, il fallait fermer un poulailler sur la zone, hein, du canton, et puis le problème était réglé. Sauf que personne n'a fermé de poulailler, fatalement. Si, avec la faillite qui est arrivée 10 ans plus tard, ça s'est fait. Mais à l'époque, ça ne s'est pas fait. Donc, on est passé en directive nitrate. Donc, la deuxième question qui s'est posée aux paysans, elle a été très simple. Et si le règlement ne produit pas de résultats? Voilà. Et ben, du coup, je suis un paysan de cette deuxième réflexion. Alors, la réponse était assez. Presque évidente pour nous à l'époque, il y avait beaucoup d'herbes et partout où il y avait de l'herbe, on était des bons agriculteurs et dès qu'on mettait de l'azote, on était des méchants agriculteurs. Et donc c'est avec cette espèce de dichotomie que les débats se sont remis en place. Donc je suis un ingénieur technique de la formation professionnelle pour adultes, j'ai fait ça à Dijon à l'époque, en 98. En 2000, j'ai participé à créer l'association Base tout en étant paysan. Ensuite, je l'ai animé avec Frédéric Thomas. Et en 2007, on voyait qu'il il fallait bouger. Parce qu'en Bretagne, ce dossier-là autour de la conservation des sols, il a provoqué un petit peu la panique. On a eu tout le monde contre nous au niveau associatif. C'est-à-dire les premiers qui ont été contre cette association sur la conservation des sols, ça a été les chambres d'agriculture, puis les coopératives, puis la chambre régionale d'agriculture, puis l'INRA, d'accord? Et ensuite, ben, Eaux et Rivières de Bretagne, qui est une branche FNE. Et donc là, c'est glyphosate déjà à l'époque. Hein. Je me rappelle que les premiers débats sur le glyphosate, on les a menés en 2004. Et en 2007, on avait les résultats. On savait exactement que le glyphosate allait protéger l'environnement. Alors, je ne vous dis pas la pétaudière. Hein. La Bretagne, on a assez de résultats en Bretagne aujourd'hui pour disqualifier la totalité du débat parisien. Le problème, c'est comment on y va, comment on le fait.
Donc, ce dossier-là, il s'est calmé en Bretagne, mine de rien. Ça a été quelque chose qui est peu connu politiquement parce qu'on n'a pas fait de vague avec ça. Et donc, hein ? Un coup de bonnet rouge. Ouais, mais même ça suffit pas parce que c'est toujours en réaction. Et en fait, la réflexion qui s'est posée, c'est plutôt que d'être toujours en réaction, c'est-à-dire que tu cours après l'autre finalement quand tu es en réaction. L'idée, c'était de créer le projet réellement, de le diffuser sur toute la France et de le faire monter en gamme. Donc, depuis 2007, j'ai participé à créer l'Institut de l'agriculture durable. Et cet Institut de l'agriculture durable, on lui a donné une mission, c'est-à-dire c'est produire le projet agricole qui doit remplacer celui de la cogestion de Pisani des années 60. Hein, puisque face au changement climatique, face aux défis de l'agriculteur, face aux directives à l'environnement, etc., face à la perte de revenus, il fallait bien faire quelque chose. Et donc ce dossier-là, il a été très productif puisqu'il a donné naissance à l'agroécologie. Si vous avez l'agroécologie aujourd'hui, c'est en partie grâce ou à cause, ça dépend où on regarde. Mais j'ai beaucoup contribué à ça avec tous les copains du réseau. Et du coup, cet Institut de l'agriculture durable, là-dedans, je fais de la création de projets. Donc un premier projet a été créé, ça s'appelle le programme Agro dans le Sud-Ouest. Donc ce programme-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a réuni des agriculteurs pionniers de la conservation des sols et on a commencé à mesurer des résultats. C'est-à-dire quels sont les résultats des pratiques agricoles en faveur de la durabilité. Donc des résultats économiques, des résultats sociaux et des résultats environnementaux. Donc comment ça se mesure? Donc ça c'est un gros problème. Donc on a mis en place une méthode à l'IAD et on l'a proposée à l'ensemble des acteurs politiques ou techniques d'ailleurs. Et on l'a testée dans le programme agro. Donc les résultats sont très 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 bons. Stockage de carbone, on y est. Biodiversité, on y est. D'accord ? Maîtrise de l'azote, on y est. Et augmentation des rendements, on y est. Donc à un moment donné, on se dit, bon, on ne va peut-être pas en rester là. Les revenus sont maîtrisés, voire améliorés, puisque quand les rendements augmentent à nouveau, ben vous augmentez les revenus, tout simplement. Et les charges sont maîtrisées. Il y a une charge ou un intrant qui n'a pas baissé, c'est l'azote. Donc ça, c'était... enfin, pour moi, ce n'est pas une surprise, parce que j'ai toujours milité pour mettre de l'azote, voire même plus d'azote. On sait aujourd'hui que la pollution n'est pas liée à la fertilisation. Alors ça, c'est un drame pour la société, parce qu'elle s'est embringuée là-dedans. Fertiliser, c'est polluer, et c'est faux. D'accord ? Donc on se rend compte que finalement, on est seul dans le bateau. Seul, pourquoi ? Parce que nos instituts ne suivent pas. On tape du pied, mais on tourne en rond. Et ça n'avance pas bien, parce que tout a été finalement normé, bloqué dans des espèces d'approches où l'azote a été quelque part vilipendé comme le responsable de la pollution. La pollution, elle est toujours et en permanence liée au travail du sol. Voilà. C'est le travail du sol qui est le facteur qui pollue en agriculture. Et il n'y a pas d'autre cause. Mais non, mais c'est même pas la peine de polémiquer, c'est je travaille le sol, je pollue, c'est ça suit. Alors plus ou moins vite selon le travail que vous allez imprimer, mais ça suit. Et après, dans ce débat-là, donc en 2012-13, après la crise du lait, j'ai créé un projet qui s'appelle La Vache Heureuse, donc qui est en partie, là, le logo est là. Alors La Vache Heureuse, qu'est-ce que c'est? C'est de l'autonomie à 100% sur une ferme, pour un élevage. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'achat de soja, il n'y a plus d'achat de concentré, si on peut, ça dépend où on est arrivé dans les élevages, mais jusqu'à 1,7 UGB, ça fonctionne. Hein. Et la grande surprise de ce projet-là, ça a été que les éleveurs ils peuvent produire 9000 litres de lait sans jamais rien acheter. Donc on y va, on met la gomme. Hein. Ce projet-là, il tourne bien. On sait, enfin moi je peux vous le dire, ce sera le standard de l'élevage français demain. Or demain, c'est dans 5 ans, c'est en train de basculer à une vitesse. Nos instituts, l'Institut de l'élevage notamment, est à la rue. Il n'y a plus un ingénieur capable de suivre ce qui vient de se passer. Les éleveurs vont très vite, ils comprennent, parce qu'ils comprennent où sont les failles. Et la faille, elle est dans l'alimentation des bêtes, c'est-à-dire les rations sont mal faites. Une fois qu'on sait où c'est mal fait, c'est très facile à corriger. Et le dernier projet qui est arrivé dans ce débat-là, c'est celui de pour une agriculture du vivant,
Parce qu'on se dit que c'est pas la peine de compter sur les primes. On ne sait pas ce que la prime qui vient de la ville va nous réserver. Donc il faut être autonome. Et pour être autonome, il faut aller sur le marché. Et pour être sur le marché, il faut une gamme agroécologique. Donc c'était l'idée de créer pour une agriculture du vivant, de le faire naître, de l'aider tant qu'on peut, pour que finalement ces thématiques sol vivant, accessibles en bio et pas en bio, hein, on n'est pas pour ou contre la chimie, c'est d'abord le sol et on verra où on finit. Et donc l'idée c'était de faire ça correctement pour pouvoir progresser dans les systèmes agricoles. On pense qu'on en a pris pour 30 ans, d'accord ? Ce que vous avez démarré là, c'est toute une carrière à évoluer. Donc il y a plein de choses à faire et le dossier azote, c'est le plus important de tout. Alors, on va y aller. Et le débat, c'est que je vais vous faire une petite introduction. Il y a deux mondes dans le monde de l'agriculture. Et ces deux mondes-là, vous devez les connaître. C'est votre histoire, c'est 10 000 ans d'histoire que vous devez imprimer. Alors le premier monde, c'est le vieux monde, c'est-à-dire celui des Européens. Et ce monde-là, où c'est l'ancien monde, si on écoute George Bush, hein, c'est ce qu'il disait, hein, le vieux monde, c'est le croissant fertile. Dans le croissant fertile, on va avoir deux grandes techniques, plutôt trois. C'est plutôt des monocultures de céréales, et ça va être la houe et l'arrière, le travail du sol. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, le standard de ce système-là. Le problème de notre croissant fertile, 10 000 ans après, c'est le désert. Et dans ce désert, tout le monde se tape dessus. Voilà. Alors, ce n'est pas très compliqué. Pourquoi on se tape dessus? C'est parce qu'il n'y a plus rien. Il reste le pétrole en dessous. Donc, on se tape encore dessus pour ça. Mais globalement, l'agriculture, c'est foutu. Et la dernière zone, on va dire, sur Bagdad, on voit bien, c'est la guerre civile. La prochaine guerre civile qui arrive, c'est la vallée du Jourdain. Donc, de toute façon, on n'est pas très fiers avec ça. Et finalement, on peut se poser quelques questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'agriculture, elle a une histoire jusqu'à nos jours, une histoire un petit peu bizarre. Il y a 10 000 ans, je coupais la forêt, je brûlais, je faisais de l'agriculture, j'épuisais le sol et je recommençais ailleurs. La forêt revient et elle régénère. Donc là, ça va. Tant que vous n'êtes pas nombreux, vous y allez, il n'y a pas de voisins. Peinard. Mais quand les voisins arrivent, ça devient casse-pied. Donc, ça c'est la première phase de l'agriculture, naissance de l'agriculture, le néolithique, etc. Et à un moment donné, il va arriver le croissant fertile. Et le croissant fertile, déjà avec la Grèce et Rome, qui termine cette histoire du croissant fertile, le système va basculer. Donc on a une description des techniques de ces gars-là. Ils font de l'irrigation, ils ont de manure en anglais, ça veut dire du fumier, lime, c'est chaulé. Donc voilà les techniques qu'ils vont avoir. J'irrigue, je chaule, je fertilise avec du fumier, je travaille le sol et je fais plutôt des céréales. Conclusion, je fais le désert. Voilà. Puis maintenant on commence à compter les points. J'irrigue, je fertilise avec du fumier, je travaille le sol, je cultive plutôt des céréales, d'accord, et je chaule mes sols. Donc l'issue sera fatale. C'est obligatoire. Alors vous savez tous comment on fait du béton. Allez hop, qui veut bien se lancer, comment on fait du béton? Je prends du sable. Je prends du gravier et je prends de la chaux. J'ajoute de l'eau. Je mélange et je vibre. Avec un vibro, par exemple. Donc, chauler les sols, c'est ce que vous avez de pire en agriculture. D'accord ? Il faut du calcium, mais jamais chauler. Donc, c'est des problèmes énormes qui arrivent parce que ça fait peut-être 50 ans, mais plus longtemps que ça, qu'on fait des conneries. Ça fait peut-être 7-8 000 ans qu'on fait des conneries. Et c'est toujours pas compris. Et en fait, l'irrigation, c'est l'illusion que ça va aller mieux. Sauf qu'à un moment donné, il n'y a plus d'eau. C'est ce qui se passe tout le temps. Le problème, c'est l'eau. C'est pas l'irrigation, le problème, c'est l'eau.
Et donc, il va y avoir des drames, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire du tourisme en plein désert et voir des thermes romains. Alors ça se trouve en Tunisie, ça, par exemple, c'est une image de la Tunisie, ça. Mais Palmyre, hein, vous allez en Syrie, pareil. Donc s'il y avait des villes, il y avait de l'eau. S'il y avait de l'eau, s'il y avait des thermes, il y avait des arbres. Ben, systématiquement, quand vous coupez les arbres, vous avez un problème avec l'eau. L'arbre et l'eau, c'est deux choses qui vont ensemble. Donc ça, ça va être un des grands sujets pour une agriculture du vivant. L'idée, c'est de remettre dans les systèmes agricoles les arbres. Alors personnellement, je pense qu'on ne va pas assez vite. Hein. Mais ça va être compliqué parce que les paysans, ils n'aiment pas les arbres. Hein. Allez, la taille de vos pulvées, donnez-moi la taille des pulvées. C'est pas le paysan, c'est le pulvé qui n'aime pas les... C'est ça, mais on est à 30 mètres ou 28 mètres, je ne sais pas combien vous êtes là-dedans, à peu près, hein, 36, tu vois. Et donc, à un moment donné, nos engins, ils ne supportent plus les arbres. Hein. C'est une charrue, tu vas racheter le pulvé. Hein. Non, mais alors, sur nos communes, on a en général tous plus de 50% de forêt. Oui, oui, oui. Alors, voilà. La forêt, quand elle est décalée, on est parce que tu es vraiment dans un endroit... Mmh. Non, mais tant que. Oui, oui, oui. Donc, si vous avez la chance encore d'avoir les forêts, préservez-les à tout prix. Il y a un vrai débat dans la gestion des forêts avec l'ONF aujourd'hui, où il faut faire très, très, très attention parce que c'est plutôt à dégager qu'à être planté hein, actuellement. Comment ? Les prairies permanentes ou même temporaires, est-ce qu'elles compensent justement ce phénomène de. Elles vont, oui, 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 elles vont compenser, sauf qu'elles sont moins performantes sur l'eau, c'est tout. Hein. Et donc, dans les pays où il y a encore de la forêt, 50% et beaucoup d'herbage, vous avez de la chance. Mais les gars qui n'ont plus ça, parce qu'il y en a, hein, ça va devenir compliqué. Donc, on sait qu'il va y avoir des problèmes là-dessus. Sans compter que les arbres ils servent aussi pour les rapaces, pour qu'ils aillent manger des prédateurs dans les champs. Oui, oui, ça sert à plein de trucs. Un arbre, c'est une maison, hein, si tu veux. Donc, on continue et le Moyen-Âge en France va se développer exactement sur ces techniques-là. C'est-à-dire, on va défricher, on va couper les arbres, c'est les moines laboureurs, etc. Et le Moyen-Âge va se solder par une catastrophe. Ben, ça s'appelle comment, la catastrophe qui termine le Moyen-Âge ? Ben, ça s'appelle les guerres de religion, tout simplement. Et il y a quelqu'un qui va mettre fin à ça, c'est, allez, en 1600, va arriver la rotation triennale, et cette rotation, c'est Olivier de Serres. Mais c'est Henri IV, en fait, c'est Sully. Hein. Et donc ces gars-là, ils sont, en fait, ils ont fait la réforme intellectuelle, c'est des protestants. Et les protestants, ils ont critiqué la doxa des catholiques et de l'Église de Rome. Ils l'ont remise en cause. Hein. M'enrichir, ça plaît à Dieu, donc j'ai le droit de m'enrichir. Hein. C'est comme ça qu'ils ont démarré le débat. Hein. Hein. C'est pas moi au service de Dieu qui enrichit le clergé, si vous voulez. Hein. Donc ce débat-là, ils l'ont mené, et donc cette réforme, elle amène quelque chose de très important. Elle va sortir le Moyen-Âge de la misère, et on aura la Renaissance derrière. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Olivier de Serres ? Eh bien, il s'est passé que la rotation de l'époque, c'était blé, tête de rotation, seigle, céréales secondaires, avoine ou quelque chose, et jachère travaillée nue, pour lutter contre les adventices. Et ce truc-là, il va dans le trou, parce qu'il produit de moins en moins bien, etc., etc. Et donc, Olivier de Serres, il va faire quelque chose de très important, il va prendre la jachère nue, et il va la couvrir avec une plante qui s'appelle... une légumineuse. Et cette légumineuse, en fait, elle va rester présente 3 ans sur le sol. Donc c'est un trèfle violet, c'est des trèfles incarnats, c'est des luzernes, etc. Et elle va donner deux choses. De l'autonomie en protéines pour le bétail, donc meilleure productivité du bétail. Et la deuxième chose qu'elle va donner, c'est une reconstruction de la fertilité organobiologique des sols. C'est-à-dire qu'il va introduire un élément que personne n'a compris, c'est toujours couvert, jamais travaillé. Et il va s'en servir pour restaurer la fertilité des sols et pour en faire une tête de rotation. Donc, sous la prairie, il se passe quelque chose qu'on appelle des sols fertiles. Et donc, il va s'en servir tête de rotation et il va démarrer tête de rotation, une plante sarclée, c'est le début de la pomme de terre,
Donc il a du bol, mais c'est les légumes, les betteraves, etc. Pourquoi ? Parce qu'en détruisant la prairie, avec le labour, ou l'arère, ce qu'il a à l'époque, hein, il a minéralisation de l'humus, production d'azote, et immédiatement une culture qui nourrit les hommes et le bétail. Donc la plante sarclée, tête de rotation, elle est 4, 5, 6 mois, et on démarre avec un blé à l'automne. Donc il va faire des choses intéressantes, à chaque fois qu'il va bouger une plante, il va faire des levées de dormance. La prairie, elle désherbe parce qu'elle endort tout le monde, et dès que vous la travaillez, levée de dormance des adventices de printemps. Et donc il est facile de gagner la course parce que la levée de dormance, elle a lieu la première année et elle s'exprime la deuxième. Donc l'enherbement, c'est ça. Donc plus vous restez dans le même rythme tout le temps, plus vous allez enherber. Donc colza, blé, orge, TCS, catastrophe. Ouais. Mais en labour, pareil, catastrophe, pareil. On garde les mêmes rythmes. Et donc lui, il va décaler les rythmes. Donc il lève la dormance, il bénéficie de la minéralisation de l'humus, il a une belle culture relativement propre, et il va pour un blé où il va retravailler le sol, lever la dormance d'automne. Mais là, la dormance qui est préparée au printemps, elle ne vient pas, puisqu'il y a une couverture du sol à ce moment-là. Donc il contourne le problème des adventices de printemps, puisqu'il occupe à l'automne. Voilà, il récolte, et dès la récolte, il va semer un seigle. Pourquoi le seigle ? Parce qu'il va s'en servir comme prairie à pâturer, couvert d'été, etc. Et là, il fait une levée de dormance d'été. Et donc, il va faire une levée de dormance printemps, automne, été. Donc le seigle, il s'en sert comme outil de pâturage. Ensuite, il récolte. C'est la dernière céréale à récolter à l'époque, puisque c'est pour le mois d'août. Et ça tombe bien, au mois de septembre, il ressème une prairie. Et la prairie, pas besoin de désherber, puisque toutes les dormances sont levées. Avec la fauche et le pâturage, il va nettoyer les champs. Et il va restabiliser, réendormir la semence pendant 3 ans ou 4 ans. Et à cette époque-ci, le travail du sol, c'est l'arère. Oui, c'est l'arère, donc on va dire c'est un petit TCS, si tu veux. C'est 10 cm maxi, voilà, on fait ce qu'on peut avec des bœufs, comme on peut, quoi. Hein, ou des chevaux, ou à la mer même, hein, tu sais. Parce que les fermes ne sont pas grandes, il ne faut pas voir ça, ce n'est pas des centaines d'hectares. Quand tu as 2 ou 3 hectares, tu es bon. Hein. Et donc, cette rotation, elle va sauver les paysans. Hein, elle va permettre la fin de la guerre, elle va permettre d'installer la paix, l'édit de Nantes, etc. Et Olivier de Serres, il est obligé de s'expatrier parce que c'est un protestant. Donc il va aller en Europe du Nord. Et quand on regarde l'histoire de l'Europe du Nord en agriculture, l'Europe du Nord, elle a toujours réussi ces changements de société en période de crise. C'est-à-dire, il n'y a eu quasiment aucune révolution. En France, on a coupé la tête des rois, d'accord ? Alors qu'en Angleterre, on s'est accommodé du roi et partout ailleurs, on a négocié, et la démocratie, elle a progressé avec beaucoup moins de heurts, d'accord ? Donc ça, c'est lié à la culture française. En France, on va dégager les bonnes techniques et on va revenir aux techniques du Moyen-Âge. C'est-à-dire, on va avoir l'État central, le machin, le roi soleil, etc. Jusqu'au moment où, 200 ans après de ces conneries-là, il n'y a plus rien à bouffer. Là, il y a des paysans, ils sont en train d'ouvrir les archives dans les villages ici. Donc j'ai un groupe dans la Meuse qui fait ça, qui m'a parlé de ça l'autre jour. Du temps de la Révolution française, dans la Meuse, il tombait 250 mm d'eau. Donc la sécheresse, c'est pas le changement climatique. En fait, le changement climatique, il a toujours existé chez les paysans. Donc quand vous avez 250 mm, pas d'engrais, pas de machin, rien, et rien pour gérer, ben, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Et si vous n'avez pas mis en place vos techniques modernes, la rotation d'Olivier de Serres, etc., ben, vous êtes encore plus en difficulté. Donc conclusion, on va au clash. C'est la famine à Paris à l'époque. Hein. Donc cette rotation, elle va sauver l'Europe globalement, elle va faire un bond énorme à l'Europe du Nord, ce qui explique que les Anglais en 1800, ils ont déjà plusieurs kilomètres de voies ferrées quand nous on fait la Révolution française. Hein. Voyez le décalage énorme qu'il y a entre les deux sociétés, si vous voulez, Nord de l'Europe et Sud de l'Europe, hein, ou France. Hein. Et donc,
dans les années 1860, il va arriver la phase qui nous intéresse, la dernière technologie, c'est Liebig qui va déterminer que les plantes, elles se nourrissent d'éléments minéraux. Pour croître, il faut des éléments minéraux. Et il va déterminer pour chaque plante la quantité d'éléments minéraux nécessaires. Tant d'azote, tant de phosphore, tant de potasse, tant de ceci, tant de calcium, etc., etc. Et il va donner une règle, c'est celle des tonneaux, le facteur limitant, c'est-à-dire l'élément qui manque limite le rendement. Voilà. Et donc la question qui se pose à nous, c'est quel est l'élément qui manque ? Et on ne sait pas. C'est-à-dire que depuis que cette technique-là a été proposée aux scientifiques, aux agronomes et aux agriculteurs, on n'a toujours pas le moyen d'identifier correctement un facteur limitant. Alors nous, on pense à l'azote, intuitivement, mais des fois, c'est des oligos qui manquent. D'accord ? C'est pas l'azote. Et on le voit très bien avec les luzernes, actuellement. Donc envoyer des oligo-éléments dans les luzernes, c'est prendre 3-4 tonnes de matière sèche immédiatement dans tous les champs quasi de France aujourd'hui. J'en ai fait plein à la vachereuse, c'est systématique, tu mets des oligos, tu mets du soufre, paf. Et donc il y a un problème sur ce facteur limitant, et il va donner deux tonneaux, c'est-à-dire un où il y a moins de fuite, où le facteur limitant il est maîtrisé. Et en fait... La vulgarisation agricole a oublié le deuxième tonneau, qui est le tonneau de la matière organique. Et il a dit ceci, parce que c'était un spécialiste de la matière organique, réellement, plus vous avez de matière organique dans les sols, moins vous avez de facteurs limitants. C'est aussi simple que ça. Et là, nous, aujourd'hui, on est bien malheureux, puisque nos taux de matière organique ont baissé. Donc on est en difficulté, donc on est dans le tonneau qui fuit, et pas dans le tonneau qui est plein et qui nous donne des perspectives d'amélioration de production. Donc le dossier de Liebig, il est très critiqué parce que c'est le monstre du NPK. Non, c'est les agronomes après lui qui ont construit le monstre du NPK d'aujourd'hui. Et encore, est-ce que c'est un monstre ? Et lui, il a deux tonneaux, il dit, pour limiter, pour qu'il n'y ait peu ou pas de facteurs limitants, il faut que les taux de matière organique des sols soient élevés. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bon taux de matière organique dans les sols ? On ne sait pas. On est au pif un petit peu. Parce que certains ont 8, certains ont 10, certains ont 20 en France, et certains ont 2 ou 1. Hein. Donc où est-ce qu'il faut aller ? On ne sait pas. Mais j'étais l'autre jour dans le Massif central, 1000 mètres d'altitude. Si tu n'as pas 15% de matière organique, ton truc ne produit plus rien. Tu vois ? On voit que les champs patinent partout, et quand on regarde des vieilles analyses, quand elles sont faites dans les fermes, parce que quand c'est des histoires, on va dire, de famille, hein, souvent on trouve ça, ils ont à 1000 mètres, ils ont entre 15 et 22% de matière organique dans des sols squelettiques comme ça, mais qui produisent énormément. Et quand on baisse les taux de matière organique à 12, 15, 10, comme ils sont aujourd'hui, dès qu'il y a un coup de chaud, terminé, ça ne produit plus rien. Donc, où sont passés les 10 points qui manquent ? Et en fait, on pense qu'ils ont été brûlés, et chez eux, notamment par la fertilisation avec de l'ammonitrate. Donc ça, c'est gros débat. Donc on va dire, matière organique. Et puis finalement, on s'est penché avec Vers de Terre Production, mais avec mon collègue François Mullet, on s'est penché sur le compost. Parce que le compost, c'est l'alpha et l'oméga de l'agronomie depuis... Vous en avez des bibliothèques remplies, mais rien, vous ne ferez jamais rien avec du compost. Et ça, on l'a compris petit à petit, parce qu'on s'est penché sur la fertilité du sol, et on s'est dit, on va lâcher un gros débat. On va l'envoyer dans la controverse scientifique et technique. Le compost dégrade les sols, point. Il est impossible, écoutez bien, il sera impossible d'avoir quelque chose de performant dès qu'on met du compost quelque part. Donc ça, on l'a fait comment ? C'est pas dur, on a fait des tests de stabilité structurale à l'eau. On a commencé à comprendre que des sols vivants, ça résistait à l'eau. Des sols travaillés, mis en bouillie, ça fond comme du sucre. Et que ça ne tient pas, ça ne résiste pas à l'érosion. Et finalement, on va faire des choses très particulières. On va prendre
1 kg de terre, on va le mélanger avec 100 g de compost, donc c'est 10%. Hein. Vous touillez, vous mettez dans un pot de fleurs, vous mettez de l'eau, vous mettez à l'abri, pas trop chaud, pas trop froid. Parce que dans tous les bouquins, il est dit que le compost améliore le sol, la structure du sol et que ça va être super. Vous démoulez votre pot de fleurs, vous le mettez dans l'eau et au bout de 2 jours, votre terre elle a fondu comme du sucre. Conclusion de cette expérience que vous pouvez refaire chez vous, d'accord ? C'est le compost n'améliore pas la qualité des sols. Voilà. Pour la structure, ça vaut rien de rien de rien de rien. Donc tu es obligé de dire, le compost, il pourrait servir à quoi ? S'il ne sert pas pour la qualité et la structure des sols, il sert pour la plante. Oui, pour la plante, c'est un fertilisant. Et donc on a commencé, ça nous a encouragé à mettre de l'ordre. Quand je mets un truc dans un champ, je mets quoi ? Je fais quoi ? Est-ce que c'est quelque chose qui est favorable au sol, à la biologie, à l'environnement, à la fertilité, ou est-ce que c'est favorable à la fertilisation, etc. C'est deux choses un petit peu différentes. Et on va voir arriver des thématiques. Fertilité et fertilisation, ce n'est pas la même chose. Même si ça pourrait se rejoindre. Hein. Et donc, ça a été le drame du compost. Donc, on va à l'attaque. Donc, on met le compost, c'est un fertilisant, point. Et le premier qui dit qu'on pourrait améliorer la structure des sols avec ça, je dis c'est un con. Voilà ce qu'il doit faire avant de causer. Voilà, c'est facile à faire. C'est stage d'ingénieur, tu vois, rien à foutre. Tu prends les photos, t'en fais 1000, tac, c'est fini. Tu fais tes stats, punaise, peinard quoi. T'as jamais rien foutu de 6 mois d'ingénieur quoi. Si, lire les bouquins pour comprendre ce qui s'est passé. Et finalement, on fait la même chose avec de l'engrais vert. C'est-à-dire, on prend de l'herbe, de la pelouse, hein, tu tonds, tu mélanges 100 grammes avec de la terre, et puis tu y vas, 1 kilo, même préparation, tu mets dans l'eau, 48 heures après, tu vois que ta terre, elle fond comme du sucre. Conclusion, l'engrais vert, pareil, eh bien, c'est un engrais. Mais jamais, 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 il ne permettra d'améliorer les sols. Et ça, on en est sûr, parce qu'aujourd'hui, j'en fais beaucoup avec les bio, hein, la vache heureuse, il y en a pas mal. On pourrait considérer qu'un quart des gars, c'est des bio. Et actuellement, ça téléphone grave, grave, grave. Ils ont tous le même problème, perte de productivité des systèmes. Et quand on leur demande leur pratique, ils font de l'engrais vert. Et donc ça ne marche pas. Engrais vert, faire un engrais vert, c'est dégrader les sols. Alors c'est... Faire un engrais vert, c'est dégrader les sols. Oui. Faire un engrais... Hein ? Ou le mixer au sol. Faire un engrais vert pour le réintégrer au sol. C'est dégrader le sol. Ça ne marche pas. Ok, mais produire un engrais vert, donc du carbone organique qu'on laisse sur le oui, sol. Oui, s'il est engrais vert, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il soit autre chose, ton couvert. Ton couvert, il faut qu'il fasse de la paille. Hein. Donc ça a été la grosse surprise, parce qu'on ne s'attendait pas tout à fait à ça, mais aujourd'hui, on peut quasi le valider. Du coup, la méthode Vines... Ça la dégomme, enfin, ce que vous dites là, c'est... Ah ben, de toute façon, il n'y aura jamais de résultat avec ça. C'est... Alors, ça choque, hein, peut-être, mais moi, j'en suis sûr. Le premier paysan qui a 4 ans de recul chez Vines, il téléphone à la vache heureuse, là. Donc, on fait une étude de cas avec lui pour comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, il s'est passé que l'engrais vert dégrade les sols. Dégrade ou n'améliore pas ? N'améliore pas, mais dégrade de toute façon. Non, mais dégrade s'il est incorporé au sol, c'est ça que vous voulez dire. Même s'il n'est pas incorporé, faire de l'engrais vert, c'est dégrader vos sols. La technique de l'engrais vert, oui, tout va se dégrader, vous allez perdre le carbone, vous allez perdre la biologie, vous allez tout perdre. Non, mais quand on dit qu'on doit avoir des racines vivantes dans le sol en permanence... Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais les couverts, c'est pas que de l'aluminium. Allez, on va le prendre. Vous avez un engrais vert. Par contre, si je peux me permettre une question, quand vous dites le compost, ça améliore le structurant, oui, ok, parce que justement, on a eu on s'est posé la question aussi, on a eu, après plusieurs formations sur la matière organique, effectivement, ça emporte le fait de composter, ça emmène vers un humus stable qui ne fait pas travailler le sol. Donc, oui. Que ce soit un fertilisant, ok. Après, sur l'engrais vert, que ça aille dégrader les sols,
comment dire, une fois qu'on... Oui, voilà, je suis pas d'accord. Non, mais... Expliquez-nous... On explique, on y va. Comment dire, parce que le fait d'apporter ça au sol, il y aura quand même des micro-organismes qui vont... Oui. Quand même une vie qui va se faire, quoi. Qu'est-ce que vous appelez engrais vert ? C'est tout ça concrètement. Déjà. On y va. L'engrais vert, c'est de l'herbe tendre. Oui, ok ? Et on y va. Donc votre engrais vert, vous le laissez pousser. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, on va dire qu'il fait un couvert qui est en floraison. Et si vous le laissez pousser, vous faites quoi avec ça ? Votre plante, si elle pousse jusqu'au bout, et vous faites de la paille, hein, tout simplement. Des graines aussi. Oui, alors des graines. Voilà, vous faites des graines. Hein. Voilà. Mais les graines, vous inquiétez pas des graines. Hein. Et donc, votre plante, elle va évoluer comme ça. Et quand on regarde, ici, vous avez le C sur N, qui est égal, on va dire, à 15. Ici, il va arriver à autour de 25, et celui-là, il va être à 100, hein, pour faire simple. Et donc, quand on fait le C sur N, ça c'est le carbone 1, et la graine 1. Hein. C'est-à-dire que j'ai 15 fois plus d'unité de carbone que d'azote, j'en ai 25 fois plus que d'azote, j'en ai 100 fois plus que d'azote. Et on se rend compte que ça, eh ben c'est pas bon. Ça, c'est bon, et ça, c'est très bon. Voilà. Mais c'est pas bon pour le sol. Hein. Le sol étant, c'est quoi le sol pour vous à ce moment-là ? C'est la terre ou c'est quoi ? Ouais, c'est la terre dans laquelle ça va être restitué. Hein. Et en fait, on se rend compte qu'il va y avoir un problème ici qu'on va découvrir ce matin. Hein. Et ça, c'est un problème très très grave qui nous est tombé dessus. C'est-à-dire ici, on sait que Ça s'appelle, au milieu là, ça s'appelle la soupe du sol. Voilà. Et que là, il se passe quelque chose de très 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 important autour d'un C sur N de ce type-là, parce que c'est le C sur N, c'est la bonne charge nutritionnelle pour nourrir toute la biologie du sol, en fait. Voilà. Donc, dans le jargon de formation, je l'ai appelé la soupe du sol. Parce que quand vous mangez une bonne soupe, ça vous nourrit. Hein. Ouais. Tu as des questions? Non. Okay. Est-ce que parce que moi qui suis en bio, moi je recherche en permanence des C sur N là, plus bas, oui, pour fertiliser. Oui. Donc effectivement, je m'attaque à la fertilité. Du coup. Oui. Après, mon problème, c'est que dès que j'apporte de la matière organique beaucoup plus stable, enfin avec des C sur N qui vont au-delà de 20, je donne fin à ma culture. Oui, il va se passer des choses ici, dans tout ce qu'on va voir là, à partir de maintenant, il va se passer ça. Ici, j'ai pas de gain azote possible. Là, j'ai plus d'azote gagné. Et ici, j'ai une perte de carbone du sol. Voilà. Plus d'azote gagné, c'est plus d'azote disponible pour la plante ? Demain, oui. Pas tout de suite. Il y a un cycle qu'il faut enclencher un cycle de l'azote. Ça dépend de ton champ, en fait. Ça, c'est le truc le plus complexe. On pense que c'est une courbe de 4-5 ans. Et le banquier entend ça aussi. Ah ben, en bio, non. Chez les autres, il y a des moyennes de parade, puisqu'on peut fertiliser plus. Hein. Et en fait, on se rend compte que ici, il va se passer quelque chose de très simple, mais on y reviendra dans la journée.
C'est-à-dire que le C sur N de 15, il va avoir un problème, vous détruisez votre engrais vert, vous avez une minéralisation rapide. Et en fait, ce que fait le sol, c'est qu'il va chercher du carbone dans l'humus pour refaire la bonne soupe. Donc tu minéralises de l'humus et tu libères momentanément de l'azote. Une fois que la soupe est prête, ben, tu as une deuxième phase qui arrive, réorganisation de ce système de la nourriture, qui va faire et de l'humus et de l'azote, sauf qu'à un moment donné, tu vas créer moins d'humus que tu en as détruit. Hein? Et donc petit à petit, tu vas dans le trou. Hein? Donc l'équilibre, c'est 25. Oui. Donc retenez ce chiffre-là, 24-25, c'est un chiffre sur lequel nous, on va pouvoir capitaliser toute la première phase de transition autour de l'azote. Et donc il y a un stade très intéressant, c'est la floraison des plantes. C'est-à-dire quand elles sont toutes à floraison, plus ou moins elles y arrivent. Alors les légumineuses un petit peu moins que les graminées, parce qu'elles vont être plus riches en azote, mais globalement ce stade-là, il est très 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 intéressant pour les paysans. Mais on verra à peu près, on va approfondir ça, hein, parce que c'est important. Alors donc, du coup, on fait une rotation maïs-blé, maïs-blé, maïs-blé. Oui. C'est mieux finalement pour le sol que de faire... Oui, parce que tu pourrais jouer là, tu pourrais jouer là. Ouais. Plus on injecte de carbone, mieux c'est pour... Oui, quoi, oui, oui. Importe, ben, c'est ce qui arrive, c'est... Oui, non, mais d'accord, mais ouais. Avec une rotation même simplifiée, finalement, avec des productrices. En fait, les systèmes vont supprimer la rotation. Ça, c'est un truc qui va disparaître. Là, ça y est, j'y suis avec les éleveurs. La rotation, quasi, elle dégage. C'est monoculture de blé, monoculture de maïs. Colza, j'hésite un peu, mais peut-être même pas. Hein, parce qu'on pourrait faire 3-4 ans de colza et puis à un moment donné basculer avec autre chose. Hein. 3-4 ans, déjà pour faire un an. J'ai déjà fait 2 ans. Non, non, mais pas de souci. Hein, on regarde ça complètement différemment une fois qu'on a basculé ici. Hein. Et donc le problème de la rotation, il ne se pose pas réellement. C'est, la rotation, c'était nécessaire quand on travaille le sol. Avec l'olivier de serre qui décale en permanence ses adventices. D'accord ? Mais vous avez parlé des levées de dormance décalées, ça sert à ça une rotation ? Tout à fait, tout à fait. C'est là la rotation en bio, c'est si vous ne faites pas ça en bio, on est quasiment cuit. Hein. Ouais, ça, il faut le savoir. Hein. Donc à un moment donné, ce mécanisme-là de levée de dormance, il faut le connaître par cœur. Si vous ne le connaissez pas, vous êtes foutu. Et donc ça veut dire. Couverture permanente une prairie, une plante de printemps, une plante d'automne, une plante d'été et prairie à nouveau. Hein. Voilà. Et sinon, si vous retournez vers une plante d'automne, vous êtes foutu. Hein. Ça va à une vitesse, on ne s'imagine même pas. Hein. Donc pourquoi vous dites que la rotation, on oublie Mais parce que, parce que tu vas avoir d'autres outils que la rotation pour gérer du salissement, bien plus efficaces qu'une rotation, en fait. Ah bon ? Ah oui, oui, oui. Ben ça, sans souci. La monoculture de maïs, elle va exploser tous les niveaux. Hein, mais en blé, ça va être pareil. Ouais. Ah ben. On en reparlera. C'est pour ça que les mecs qui font de la monoculture, ils se posent pas la question de faire des couverts et tout ça. Si. Sans couvert, ça marchera pas. Hein. Ouais, hein? On est d'accord, mais il y en a qui sont. Parce qu'ils ont du carbone à fond dans le sol grâce à la paille de maïs. Oui. Enfin, ils accumulent quand même du carbone et ils posent moins la question de changer leur pratique. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Il y a une question de maîtrise quand même de la flore spécifique de la culture. D'accord. Les ferrières, on est envahis de régras, les gars ils ont fait des tests. Ils arrivent des régras et des vulpins, ils ne vont pas partir que sur du blé. La question c'est pourquoi tu as du régras, pourquoi il y a du vulpin? Ça c'est la vraie question. Ouais, non, mais okay, mais quelle est la cause de croissance d'un reira et d'un vulpin? Le reira et le vulpin, ce sont deux graminées. Alors il y en a une qui est quasi pérenne, le reira, l'autre elle est annuelle, mais ça ne change pas grand-chose. Globalement, ce sont deux graminées qui s'installent dans un sol où il y a des lessivages de limon et d'argile. C'est-à-dire, c'est une plante qui a une telle capacité racinaire que tout de suite, elle va vous emprisonner vos éléments qui fuient, qui se sédimentent, parce qu'il y a eu une connerie. Et la connerie, c'est le travail du sol et la perte d'humus. Et donc, solution azotée peut-être ? Non, solution azotée, c'est le meilleur produit que vous avez en agriculture. Le truc là, bête et méchant, on arrête de travailler le sol, on n'a pas de régras alors. Non, parce que quand il est là, il faut qu'il finisse son travail. C'est-à-dire, quand vous l'avez installé,
il faut à tout prix qu'il pousse. Et donc une plante, elle est bio-indicatrice de l'état de dégradation du milieu. D'accord ? Cette plante bio-indicatrice, eh bien, il n'y a qu'une façon de s'en débarrasser, c'est de la laisser pousser et de la favoriser à mort. C'est-à-dire que j'ai un reira, je dois baigner 200 unités d'azote dans mon reira pour qu'il cavale le plus possible, qu'il soit une bête féroce, mais à tout désherber. Il n'y a plus que lui, d'accord ? Ah oui, mais j'ai déjà vu ça, moi. Ouais. C'est parti à louper, oui. Ah oui, oui, oui. Pour faire, après, l'année d'après, il n'y a plus que ça. Hein. Oui, oui, oui. Ah, mais donc, du coup, on reste après en reira, qu'on laisse pousser, fleurir, oui. Du carbone et, sol, et en fait, 3, 4 ans, quoi. Voilà, et en fait, donc, le reira, il vous permet de changer de culture. Parce que c'est un très très bon précédent pour un maïs, par exemple. Hein? Surtout en semi-direct. Hein? Et donc, c'est très facile à gérer en semi-direct aujourd'hui, hein? Mais il faut un regard complètement différent sur les adventices. Oui, on n'a pas laissé pousser pour faire un maïs derrière un régras qui a colonisé. On ne l'a pas laissé aller jusqu'à graines et faire son carbone. Oui, oui, toi, tu es toujours à la lutte. Tu ne vas jamais au bout de la logique du végétal. Tu vas implanter un maïs en bonnet, quoi. Tout à fait. Et donc, à un moment donné, on s'est permis chez les éleveurs de faire les expériences. Et ce que je peux dire, c'est que les éleveurs aujourd'hui, ils avancent beaucoup plus vite que les autres. Parce qu'il y a une solution plan B qui s'appelle une fauche, hein, un fourrage, etc. Et ça a permis d'apprendre très très vite parce qu'une vache, ben, ça valorise un carbone que des fois, ben, quand tu as un problème, tu ne peux pas le valoriser différemment. Ou alors des chimies à bloc et puis tu ne t'en sors pas en fait. Voilà. Autre expérience qu'on a menée avec notre compost, c'est la paille et le bois. Donc on fait la même expérience, 1 kg de terre, 100 g de paille, 100 g de bois. On touille, on laisse maturer 5 mois, on démoule, on met dans l'eau, et on se rend compte qu'au bout de 48 heures, eh ben, notre pot de fleurs, terre, paille, nickel. Donc il s'est passé quelque chose avec la paille qu'il ne se passe pas avec le compost. Et pareil avec le bois, il s'est passé quelque chose avec le bois qui ne se passe pas avec l'engrais vert ou avec le compost. Donc on peut dire sans risque que la paille, elle aggrade les sols, le bois également, d'accord ? Et en fait ici, la paille, on se rend compte que elle doit être fraîche. C'est-à-dire que on a commencé à parler d'un phénomène très particulier, la ration du sol, comme on pourrait parler de ration pour les vaches. D'accord ? Le sol, il va manger quelque chose. D'accord ? Hein ? Et quand il mange quelque chose, eh bien, il va bien ou pas. Voilà. Et là, tu dis, ah, tiens, c'est bizarre, c'est un petit peu comme moi, ça. Si je mange un truc qui n'est pas très bon, il ne faut pas que ça dure. Hein ? Voilà. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des soupes, voilà, des rations, des soupes et des. Voilà, c'est des trucs tout bêtes. Alors, la paille fraîche, c'est-à-dire que c'est la paille qui n'est pas dans le fumier, elle est déjà fraîche. Ah, ben oui, on va se rendre compte que le fumier, c'est la grosse merde. Hein. Mais alors, par contre, la paille, elle est bien mélangée, donc oui. On travaille pour le sol, on ne mélange pas la paille. Oui, 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 ben, c'est un vrai problème. Des fois, pour démarrer, il vaut mieux mélanger. C'est ce qu'on a appris avec les dossiers MSV. Les maraîchers, quand on les démarre sur les sols vivants, là où ils sont, des fois ils ont des trucs pourris, les tas de sable, les friches industrielles bientôt. Enfin, il n'y a pas toujours le choix. Et on s'est rendu compte que mélanger et ne plus jamais toucher, c'est-à-dire on mélange une fois et on y va, eh ben, c'est plutôt très intéressant. Hein? Donc à un moment donné, on doit se poser la question ben, du dernier labour. Voilà, il y a une vraie construction qu'on peut commencer à réfléchir. Je voudrais revenir aussi sur elle parce que donc la plante elle pousse, elle ne perd pas d'azote. Si, elle va perdre de l'azote. Là elle est riche en azote, là elle est encore plus riche, mais elle est en proportion au kilo, elle est diluée, d'accord ? Et là elle a perdu de l'azote parce qu'en règle générale elle l'a mis dans le grain qui ne revient pas à lui. Oui, mais là comme on était au couvert, le grain il revient. Voilà, donc là si tu laisses mûrir ton couvert, donc si la graine revient au champ, tout revient. Hein. Sauf que l'azote n'est plus au même endroit. Hein. Ah, mais du coup, la proportion, elle est plus la même, mais la quantité d'azote, elle est la même. Hein. Oui, si on remet la graine, elle va avoir un C sur N particulier et la paille, un autre. Hein. C'est pour ça, la graine, dans la réflexion, on l'enlève. Hein.
puisqu'en règle générale, on les récolte. Dans les couverts, on les récolte pas. Non, mais dans les couverts, on hésite à aller à la graine, justement. On préfère s'arrêter là. D'où vient la référence du Cessurène de 12? Ah ben, vous allez découvrir ça. C'est tout l'objet de la formation. Donc, j'avance. Donc, on a écrit une équation de la pollution. Je prends de la terre, une prairie, je la passe dans un broyeur, j'ajoute de l'eau, je fais du café. C'est pollué, d'accord? C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais oui, tu passes ta prairie dans un mixeur, il arrive de l'eau, c'est foutu. Voilà. La première, alors s'il tombe un petit peu de pluie comme aujourd'hui, là ça va, mais s'il vient 50 mm d'un gros orage, ben, vous avez tout de suite de l'érosion. C'est immédiat. Hein. Donc le problème avec le réchauffement climatique, l'eau, ça va, le problème c'est pas la température. Hein. Oubliez le blabla du machin, le problème ça va être l'eau. Parce que moi je connais des plantes, même qu'il y ait beaucoup de température, s'il y a de l'eau, elles poussent. Donc 5 degrés de plus ici, s'il y a de l'eau, tout pousse, même pas inquiet. Hein? Le problème, ça va être l'eau. Et je pense qu'on n'a pas tout à fait pris conscience de nos gros problèmes qui allaient venir. Hein? De quoi? Non, il y a un gag sur les herses rotatives, si ça vous intéresse. En fait, il faut faire les captages Grenelle et tout ça. Là. Tu sais, il y en a plein en France. 25% de la SAU, c'est des captages Grenelle. Vous savez ce qui est marqué dans la loi du Grenelle? S'il n'y a pas d'amélioration de la qualité de l'eau, on peut exproprier les paysans. Hein. C'est 25% de la SAU française, les gars. Hein. Donc, il y a du boulot. En fait, dans les captages... Non, mais peu importe. Il y a qu'un truc qui améliore la qualité de l'eau dans les captages. On le sait aujourd'hui. Les captages, les courbes de nitrate, elles font tout ça et elles ont du mal à baisser. Voilà. C'est à peu près comme ça partout. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on était à 15-20 mg hein, litres pour des nitrates. Voilà. Et ici, vous êtes arrivé à, allez, entre 40-50 mg litres. Oh. Hein? En Bretagne, ouais, c'était la moyenne de la Bretagne, quasi à l'époque quand j'ai démarré, moi. Hein. Et aujourd'hui, ça a tendance à baisser, etc. Alors on dit, ouais, super, on a fertilisé. Le problème, c'est ce saut, il s'est produit partout, dans les captages, quasi au même moment. Quand on regarde la dynamique, on a des trucs qui sont assez surprenants. Ici, 1980... Et ici, 1992. Donc qu'est-ce qui s'est passé là dans ces 10 années-là? On était champion d'Europe en 1984. En fait, il va se passer des trucs très simples. Alors, il va y avoir les quotas laitiers, la crise de la viande, et il va y avoir la prime céréale de la PAC. Voilà. Et donc, les paysans, avec de l'herbe, ils sont coincés, et en plus, ils n'ont plus le droit de produire, c'est bloqué, et en plus, il y a la crise de la viande. Donc, les gars, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont aller chercher la prime. Donc ils vont labourer énormément de prairies. Il y a rien qu'en Bretagne, 400 000 hectares de prairies qui passent à la moulinette. Hein? Et donc là tu dis, ben oui, et la courbe elle fait un saut. Et ce qui se passe là, en plus... Oui, et du lisier, du fumier, du machin. Et en plus tu fertilises, mais là tu fertilises tout autant. La quantité de fertilisation est quasi la même en organique là que là. Donc avant ça tenait. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu en plus qui a fait déraper? Et donc, il y a eu deux choses ici, là. Là, il y a eu deux choses. Il y a eu, un, la herse, les lits, 3 mètres. C'est pour ça qu'on l'a mise là, parce que c'est l'histoire des technologies agricoles. C'est-à-dire, après la grande sécheresse de 76, ben, les gars vont commencer à labourer, hop, et la herse, le porte-engin, la herse porte-outil va se généraliser. Et donc, dans les années 80-92, elle est généralisée.
D'accord ? Puisque elle démarre un petit peu avant, là ça mord, et là ça se développe à bloc. D'accord ? Et donc tout le monde a ça avec un semoir dessus, d'accord ? Plus le travail du sol. Hein ? Voilà. Plus la destruction de la prairie. Voilà. Et en fait, le drame de toute la pollution, c'est qu'on aurait dû subventionner les éleveurs. Hein ? Ben oui, non, mais parce qu'ils auraient gardé leur prairie, en fait. Ouais, mais les éleveurs, à condition qu'ils ne détruisent pas... Oui, mais ben non, mais toi tu peux détruire des prairies dans ton petit rythme d'élevage où allez, t'as, je sais pas, 5-10% des prairies qui rentrent dans une rotation, on s'en fout. Hein, s'il n'y avait pas de souci avec ça. Hein, si t'avais été encouragé à ne pas travailler, hein, voilà, en extensif. Oui, ou même intensifier un peu, c'était pas si grave que ça. Les élevages, on aurait dû les préserver. Et en fait, on se rend compte qu'à l'histoire des technologies, et en France, ça va se produire. Ben, plus ou moins décalé selon les zones et les systèmes de France, si vous voulez. Le dernier drame qui arrive, c'est le Massif central maintenant. Puisque la crise du lait va dégager énormément de vaches, la viande ne paye plus, il y a une génération qui s'arrête, et ben, tout ce qui va pouvoir passer en céréales va être passé en céréales, et le Massif central qui avait encore de l'eau propre va subir la même règle. Hein. C'est évident, à moins qu'il ne passe au semi-direct. Hein. Oui, c'est ça la question, c'est même si on reste le même schéma, prime céréale, pack, on part sur les céréales, mais on enlève tous ces... Ah ben, si tu avais enlevé ça, elle est inversée, si ici on aurait fait du semi-direct, ben on aurait fait ça. Et ça, on le voit, enfin, je veux dire, ah ben, il a été fait des enquêtes par l'INRA de mi-recours ici, là, Épinal, là où je ne sais pas où, à côté. Et donc, ils ont montré qu'il n'y avait que trois systèmes qui permettaient de protéger la qualité de l'eau dans un captage. Premier système, on installe un agriculteur bio, d'accord, et on lui fait faire de la prairie, du tout herbe. Voilà. T'es champion. Ben oui. Deuxième système qui permettait de protéger l'environnement, c'est on a planté avec des forêts. Et puis on fait du bois plaquette ou je sais pas quoi. Troisième truc qui gagne la bataille, on a mis du miscanthus. Voilà. Et donc, quel est le lien entre la prairie, le boisement et le miscanthus ? Ben oui. Le lien, c'est qu'il n'y a pas tout ça. C'est tout. Et c'est aussi simple que ça. D'accord ? Et donc, le débat, il est terrible pour nous, politiques, etc., pour tout le monde, parce qu'on est passé à côté. Pas d'agronome, tac, les conneries, elles ne sont pas comprises. Alors il y a une autre agriculture qui existe depuis 10 000 ans, c'est l'agriculture américaine, mais celle des Amérindiens, si vous voulez. Hein. Et eux, ils vont avoir des succès faramineux. Des patates, des tomates et du maïs. Et leur truc, c'est pas de travail du sol, ils font tout avec un bâton, ils font un trou, là 1000 pas. Donc ils mettent du maïs, des haricots et de la courge, voilà. Ouais. Mais à la main. Oui, ça se fait à la main, mais ben, ils n'avaient pas de machine. Et puis, il n'y avait pas besoin de nourrir beaucoup de gens non plus. Hein. Voilà, il n'y avait pas 10 milliards d'Indiens, si tu veux. Donc ils cultivaient comme ça. Et donc ces gars-là, ils ont un succès énorme. Qu'est-ce que c'est la patate ? Qu'est-ce que c'est la tomate ? Ouais. Solanacées, c'est de la morelle, c'est des plantes toxiques. En règle générale, quand elles sont sauvages dans la nature, elles contiennent de la solanine. On les sélectionne encore et toujours sur leur taux de solanine pour qu'elles soient comestibles. Et donc, ils vont sélectionner des plantes sauvages qui sont des poisons, d'accord ? Ils vont les rendre comestibles. Donc, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils savent faire réellement ? C'est des sélectionneurs, ils savent sélectionner, et quand on regarde ces plantes-là, ça c'est champion du monde de la productivité au mètre carré, ou à l'hectare. Mais ça aussi. Donc ces gars-là, ils ne perdaient pas leur temps à travailler le sol, ils ne perdaient pas leur temps à irriguer, etc. Certaines sociétés ont irrigué, se sont cassées la gueule. Hein ? Là-bas aussi, l'histoire de l'irrigation, c'est vrai. Et quand ils ont coupé les arbres, pareil,
ils sont cassés la gueule, et on se rend compte que globalement, c'est des sélectionneurs, parce qu'ils ne perdent pas de temps à travailler la terre. Donc ils vont sélectionner des plantes, et qu'est-ce que le maïs a de plus que le blé ? Plus de carbone. Ben oui. C'est une plante géante en C4, bon, mais ça c'est le hasard, s'ils avaient eu le maïs peut-être dans le croissant fertile, peut-être qu'ils l'auraient fait, on ne sait pas ça. Hein. Mais globalement, ils vont sélectionner du maïs, c'est une plante qui est très performante sur le carbone et elle a un secret, le maïs a un secret, mais cette plante-là aussi, parce qu'elle a le même secret. Quel est le secret d'une tomate? Quel est le secret du maïs? Quel est le secret d'une patate sauvage? Non, mais c'est pas du tout. Non, le secret de ces plantes-là, c'est que ce sont des plantes géantes. Une tomate, c'est une, si vous coupez les gourmands, vous faites une liane de 10 mètres. Hein? Mais si vous la laissez pousser, c'est un arbre. Vous plantez un pied de tomate, vous enlevez pas les gourmands, il fait chaud, il y a de l'eau, c'est un arbre. Aussi haut que le plafond, une touffe, mais abominable. Hein? Et donc, c'est des plantes géantes réellement. Et donc, ils vont inventer des techniques, la sélection, la conduite des systèmes, la productivité, d'accord ? Et la patate, elle a un truc, elle n'a jamais été cultivée en travail du sol. Historiquement, je la pose par terre et je couvre de paille. Alors, comment ils faisaient ? Ben, ils mélangeaient les variétés. Dans les cultures andines, là où on trouve encore de la patate en traditionnel, il y a 30 variétés dans la même parcelle pour gérer le mildiou et les maladies, etc. Et donc, ils vont avoir des réussites énormes. Hein. Et notre agriculture, aujourd'hui, c'est ça qui va nourrir le monde. Hein. Et pourquoi ils font des conneries comme ils font aujourd'hui au Brésil à déforester à fond? Mais c'est pas les Amérindiens, ça. Ouais, ça voilà. C'est d'autres histoires, hein, c'est la politique. Mais non, mais, d'accord, mais ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Ben, ils pourraient. Ils pourraient. Nous, tirer une balle dans le pied en même temps. Il pourrait y avoir un drame, si tu veux. En fait, les agriculteurs, eux, ont compris, ils bougent, mais les politiques gouvernementales et de développement, elles sont amorcées. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80? On a développé le Brésil avec une théorie économique, c'est celle de Ricardo, c'est-à-dire on va spécialiser les pôles de production, donc la Chine et l'Asie, c'est l'usine, le métal, les habits, les machins, et l'Amérique du Sud, c'est l'agriculture. Et donc l'agriculture pour nourrir l'Europe, machin, le monde, l'Afrique, n'importe qui. D'accord ? La Chine. Hein, c'est 70% du soja, il va en Chine quand même. Hein. Et donc avec les théories économiques du néolibéralisme, on va développer l'Amérique du Sud sur un pôle agricole à bloc. Et là, la forêt, elle n'a plus sa place. Et on te dit, ben, vous avez bien coupé les vôtres. Qu'est-ce que tu veux répondre ? Tu vois ? Et donc, du coup, ça se fait comme ça. Donc, c'est des choses qui échappent à l'agronomie réellement. Hein, parce que ça intéresse d'autres mondes. Et chez ces gens-là, dans la forêt vierge, là, il y a des points partout. Il y a une réussite extraordinaire. C'est-à-dire, on est dans le bassin amazonien. Il y a un truc qui s'appelle la terra preta. D'accord ? Et la terra preta, c'est quelque chose qui produit encore et toujours. C'est-à-dire, quand ils déforestent, au fur et à mesure, ils trouvent des couches de terre noire humifère sur plusieurs mètres, parfois. Les plus vieilles terra preta ont 7000 ans. On sait que ça a été fabriqué par les hommes, donc les paysans, leurs agronomes. Hein. À un moment donné, quand on les remet en culture, ben on fait du maïs normal avec zéro intrant. Et donc là, ils ont des taux de matière organique de combien ? Ah ben là, mon pauvre. Là, si tu prends une analyse, là, tu es sans doute à 30 ou 40%. Mmh. Hein. Donc nous, on progresse de 1 point tous les 7 ans si on fait du sport. Oui, c'était bon. Voilà. Et donc la question, c'est cette terra preta, qu'est-ce qu'elle doit nous apprendre? Alors on sait que c'est de facture humaine, parce que ça, c'est le profil de la forêt, ça, c'est le profil des terres fabriquées par les paysans. On sait que ça a été fabriqué par les paysans. Parce qu'on trouve des tessons de poterie au fur et à mesure que vous faites un trou, dans le profil, vous trouvez des morceaux de poterie. Hein.
Alors tout le monde se perd en conjecture, personne ne sait comment ça a été fabriqué, et quand vous faites de la bibliographie là-dessus, il y a deux grandes thématiques qui ressortent. La Terre, elle est saturée en carbone. Donc ça, c'est intéressant pour nous. C'est saturé en carbone. Donc... Et l'autre gros sujet qui va arriver, c'est du carbone saturé. Voilà. Et donc, j'avais mis un stagiaire là-dessus, puis finalement, il termine comme ça. Je ne comprends pas. Parce qu'au fur et à mesure qu'on lit sur la Terra Preta, soit c'est saturé en carbone, soit c'est du carbone saturé. C'est comme si les gars qui écrivaient, ils inversaient les mots. Parce que c'est le même mot, vous le mettez devant, tu sais. Voilà. Ou derrière. Donc, qu'est-ce que c'est que la Terra Preta? Et donc, on s'est rendu compte que, allez, quand tu lis les bouquins, c'est fait avec du charbon de bois. Ce qu'aujourd'hui, vous allez appeler du biochar. Hein? Voilà. Pour faire simple. C'est du charbon de bois. Et ensuite, il y a des poteries. Donc pour les uns, c'est une grande poubelle, c'est le dépotoir, et on cultivait sur le dépotoir, par exemple. T'sais ? On découvre aujourd'hui que dans l'Amazonie, il devait y avoir peut-être 150 millions de personnes à une époque, avant l'arrivée des conquistadors. Et que, l'Amazonie était une forêt jardinée. Et que la forêt vierge que nous, on pense être, ça ne l'est pas vraiment. Donc les archéologues sont en train de découvrir tout ça. Que ces gens-là, ils seraient morts à cause de la variole et de la grippe que les conquistadors ont amené avec eux. Hein? Donc la guerre bactériologique, si vous voulez. Hein? Magellan. Hein? Ben Magellan, il ne s'est pas arrêté là, ça va mieux. Hein? Et donc, voilà les thématiques qui arrivent. Et donc, le charbon de bois, il a des propriétés très particulières. Quelles sont les propriétés d'un charbon de bois? Carbone. Ben, ça, ok. Hein? C'est que du carbone. Ben oui. Donc ça, c'est porosité, et puis c'est tensioactif. Et pour faire le charbon de bois, ils ont brûlé la forêt? Ben évidemment. Ben oui. Mais ils en avaient plein des arbres. Tu sais, ils ne se posaient pas de questions. Hein? Si tu sais gérer les arbres, tu as le droit d'en enlever. Il suffit de faire repousser quelques-uns. Et est-ce que vous connaissez des gens qui travaillent sur le biochar, mais sur des échelles plus importantes que le maraîchage? Non, parce que c'est aujourd'hui l'accès à la ressource est compliqué. Hein, il faut des gazéificateurs de biomasse. Hein, et donc après, il y a des techniques de fabrication, c'est-à-dire la température et tout, qui sont. Il ne faut pas que ça fasse plus de 300 degrés sur une durée où il doit te rester le biochar réellement, parce que tu peux aller jusqu'au bout et il te reste quasiment plus rien hein, que les minéraux à la fin. Donc il y a deux grandes thématiques, c'est poreux et tensioactif. Donc c'est pour eux, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la porosité du coup? De l'eau. Ben oui. Donc là, vous allez mettre de l'eau plus de l'air. D'accord? La porosité, c'est ça. Et comme c'est tensioactif, ça va retenir tous les minéraux. D'accord? Voilà. Qui vont Donc là où il tombe 3 mètres d'eau, il n'y a plus de lessivage. Donc c'est balèze, hein. Donc là, c'est bon, on a fait des trucs, mais si tu veux cultiver des plantes dans du charbon de bois, ça ne pousse pas. Et donc on s'est dit, il y a un truc ici. Et donc on s'est rendu compte que là, dans cette porosité, ils vont amener un truc du carbone saturé, ça s'appelle du pétrole. Voilà. Et ce pétrole, qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est du végétal liquide. Voilà. Voilà. Et en fait, il va se passer quelque chose de très particulier quand ils vont mettre
sur un produit poreux, tensioactif, du pétrole, et qui vont imbiber le produit de pétrole. D'accord ? Pas de risque de lessivage. Peinard. Et ils vont amener une grande quantité de carbone, c'est-à-dire ça, c'est la ration du sol qu'ils ont créé. C'est-à-dire ils vont donner à manger aux bactéries, et les bactéries, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Eh bien, elles vont respirer de l'air, elles vont faire la synthèse de l'azote, et donc il y a une formule magique qui arrive, c'est que quand le sol mange du carbone, il chie de l'azote. Littéralement, ça va se passer comme ça. Et dès qu'on les remet en culture, pof, on l'a. Et donc, les gars, ils savaient que le carbone, c'est vital. Et le carbone, en fait, ils l'ont mis partout. Alors, ils l'avaient dans leur forêt, etc. Mais ils l'avaient sélectionné dans leurs plantes. Donc, il y a un truc très particulier. Ces gars-là, ils nous apprennent une autre agriculture. Ils nous apprennent que l'agriculture, ça se fait avec du rendement et du carbone. D'accord ? Sans travail du sol. Et on se rend compte que c'est exactement l'inverse de ce que nous, on fait en Europe. OK ? Et là, il y a vraiment matière à creuser et à ouvrir une vraie page agricole. Est-ce que le BRF, quelque part, dans sa dégradation, tout ça, son introduction dans le sol, est-ce qu'il va jouer un peu le rôle du charbon de bois, du biochar ? Non, jamais. Jamais. Ah, jamais ? Non. C'est pour faire du biochar. En fait, le problème, c'est que ce carbone saturé, ici, il a un secret, c'est stable. C'est-à-dire, c'est non dégradable. Mais il est stabilisé avec le temps aussi. Il est stabilisé par la cuisson, d'abord. Et après, avec le temps, il est probable que ici, ce qu'ils commencent à découvrir, c'est que chaque génération devait faire sa couche. C'est-à-dire... on profitait de remettre par-dessus tout le temps. Et comment dire, une génération, elle coupait des arbres, elle faisait son abatis brûlis, elle ramenait des arbres, elle faisait une couche de charbon, elle imbibe de pétrole. Donc tu vas au Venezuela, là, tu prends du pétrole, ça coule du sol quasi chez eux, d'accord ? Tu mets dans ta barcasse, c'est ton autoroute. Hein ? Tu arrives dans ton jardin, tu poses ça, tu casses avec un bâton, tu casses les jarres. Ça imbibe, et au bout d'un certain temps, 3, 6, 8 mois, je ne sais pas trop, tu peux mettre en culture. Quand la réaction biologique est mise en place, si tu veux. Et après, tu es peinard toute ta vie. Tu bosses une fois. Ben oui, le reste du temps, tu prends ton bâton et tu jardines, basta, ciao. Hein ? Pas de boulot, et ça fait du MSV à bloc. Hein ? Et ben, j'imagine que vous allez en parler, mais l'azote vient d'où ? Eh ben, à ton avis, du carbone. De l'air, de développer les bactéries. Mais de l'air. Ben oui. En fait, si on admet que c'est du pétrole qu'ils ont mis, hein, hypothèse, hein, parce que c'est pas validé encore, hein, mais c'est l'hypothèse. Donc. L'azote égale l'air. Qu'est-ce que c'est l'air ? Est-ce que quelqu'un peut donner l'air, la composition de l'atmosphère qu'on respire ? Ok ? Donc le premier couillon qui sait capter l'azote de l'air, ben il fait fortune. Il s'appelle comment celui-là ? Avant Yara. Hein ? Ben oui, mais c'est ça. C'est le procédé Haber-Bosch, encore et toujours, qui a été un petit peu amélioré, mais globalement, voilà. Donc, tu vois bien qu'ils ont fait fortune là-dessus. Hein ? Donc, c'est beaucoup d'azote. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans l'air encore ? Voilà. Donc, il y en a combien de l'oxygène ? Voilà. Et après, il va vous rester du CO2. Donc 0,04% égale le CO2 égale rien.
Et là, tu es médusé, tu dis, moi j'ai un problème de réchauffement climatique avec rien. D'accord ? Non, non, mais c'est ça. Tu sais, quand tu le caricatures... Attendez, parce qu'il y a aussi la vapeur d'eau. Oui, mais pas dans les gaz, pas dans le pourcentage des gaz. Hein. Elle est en plus. Hein. Elle nage. C'est ça qui provoque le réchauffement. En partie, oui. Et donc, mais ça aussi, ça emprisonne, d'accord ? Puis tu te dis, ben après, il reste quoi ? Ben, il reste du CH4, de l'hélium, de l'ozone. Voilà, enfin, il reste... Mais c'est des traces. Hein ? Et donc, on a un paradoxe, nous, paysans, le rien, c'est responsable du changement climatique. D'accord ? Ben oui, c'est ça la réalité. Hein. Tu dis, ah mince. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avant la société industrielle, il y avait 0,03%. Hein. Voilà, donc on a augmenté un peu. Hein. Donc les gaz à effet de serre, c'est ça. Hein. Équivalent CO2, on est là. Et donc, avec les traces de gaz rares, on fait le changement climatique, et le reste, il y a beaucoup, et peut-être même trop d'oxygène. Et on se rend compte que la seule source d'azote possible, c'est celui-là. Et donc, on connaît un individu qui capte l'azote de l'air. Ouais. Et donc, un azotobactère, ben lui, il a besoin de N2. Mais il a besoin de quoi aussi, un azotobactère ? De carbone. Ben oui. Plus de la nourriture. Carbonée. Il est aérobie, hein, l'azotobactère ? Oui, il est aérobie, oui. Mais ça tombe bien, dans la terre, après ça, il y a tout. Hein ? Oui, dans ce cas-là, mais pas forcément. L'atmosphère du sol, d'accord ? Est-ce que c'est la même que l'atmosphère que tu respires ? Ben, on ne sait pas. Mais la réalité, c'est non. Hein, l'atmosphère du sol n'est pas. Elle est enrichie en CO2 réellement. Il y a beaucoup de CO2 dans le sol, beaucoup plus que dans l'air. Hein. Et donc, on se rend compte qu'il va y avoir tout un tas de mécanismes qui sont mis en place. Alors, on sait que ça donne du rendement, voilà, et ça nous a donné une formule célèbre. Le sol mange du carbone et produit de l'azote. Et on a ça dans un projet. Alors, vous avez une chance inouïe. La France a le seul projet innovant en agronomie dans le monde. Mais personne ne le sait. Hein. Non, 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 non. Ça ne s'appelle pas 4 pour 1000. Ça s'appelle MSV. Maraîchage... sur sol vivant. Voilà. Et ça, c'est auto-fertile. Donc, c'est la seule expérience au monde que personne ne s'y intéresse, que tous les jeunes qui ont pigé ça sur YouTube, ils foncent comme des malades. Donc, c'est mondial aujourd'hui. Donc, c'est... mais oui, mais tout le monde cherche le Graal, si vous voulez, hein, le Graal agricole. Hein, donc ça. Voilà. Il y a des choses qui se sont passées, ça pousse tout seul. Et quand on a fait le bilan de ça, on s'est rendu compte que dans ce système-là, il y a une ration du sol vivant qui va arriver égale 20 tonnes de matière sèche équivalent paille par hectare et par an. Voilà. Et donc on peut déjà... Hein ? Et en grande culture, en fait, il va falloir trouver ça, les gars. Alors ça peut naviguer un tout petit peu, mais visiblement c'est autour de ce chiffre-là que ça va se jouer. J'ai une expérience en route qui montre que c'est ce chiffre-là qui va gagner. Ça fait 25 tonnes de matière brute.
Oh, plus que ça, en matière brute. C'est matière sèche, hein, des tonnes de matière sèche. Là, oui, mais matière sèche, c'est combien? Ah ben, c'est 85-90%, si tu veux. Mais produit ouais. Ou restitué au sol. Ration du sol vivant, restitué au sol. Hein, on a vu apparaître des chiffres monstrueux en termes de ration du sol. L'auto-fertilité, elle va arriver là. D'accord? Et ça se joue, donc je peux vous le confirmer, la première expérience, elle a été faite sur la monoculture de maïs, et effectivement, c'est ça qui sort. C'est 20 tonnes de paille. Équivalent paille. Ben, 20 tonnes de paille, là, tu n'es pas très courageux, tu te dis où tu vas les trouver. Donc on a mis équivalent paille, parce que ça nous a encouragé à chercher... Des déchets verts, par exemple. Par exemple, mais en fait, toi, tu peux pas. Tu peux pas aller chercher ailleurs. Tu dois le produire dans ton champ, sinon, ce sera trop cher et demain, il y aura pas assez de camelot. C'est ça le problème. Oui. C'est même pas la peine. Au début, ah oui. Au début, c'est ce qu'on a fait. Les maraîchers, ils sont sous des goulottes d'opportunités qui s'appellent les déchets verts en ville, etc., etc. Donc, une fois qu'ils ont fait le plein, on a commencé à gérer ça. Donc, on regarde. Mais des choses sur le sol mange du carbone, oui, il doit manger 20 tonnes équivalent paille. Et des de miscanthus Après, lâchez-vous. Tout devient possible. Mais tu dois savoir à quoi ça sert et comment le manager. Donc, avant de penser à faire des bandes de miscanthus, tu dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire hein? Et il y a certainement mieux à faire que du miscanthus. Hein? Ben oui. Non, mais ça dure 25 ans. Mais ça dure 25 ans. 30 ans, on ne sait pas la durabilité de ces trucs-là. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir commencer à penser, c'est qu'il y a un problème carbone-azote qui va se poser. Et vous avez, en fait, le carbone, il va revenir avec la verdure, la chlorophylle. D'accord ? La photosynthèse, c'est des chaînes carbonées, tout simplement. Hein ? Et donc, la chlorophylle, c'est du carbone. Et en fait, le carbone, il revient avec la photosynthèse. Et une fois que cette photosynthèse, elle arrive dans un champ, eh bien, elle va être, la feuille, elle va être mangée avec d'abord les grands individus jusqu'aux plus petits, d'accord ? Qui sont microscopiques. Après, là, il vous faut... un microscope électronique à balayage pour voir les plus petits, si vous voulez. Donc, le problème de ce carbone qui va arriver avec la photosynthèse, les feuilles, les pailles, les racines, à un moment donné, c'est du plus grand au plus petit qui va digérer ça et qui va faire en sorte qu'il y ait des choses qui se passent dans le sol. Et la première chose que fait l'activité biologique, c'est structurer le sol. D'accord ? 1 cm³ de terre, un dé à coudre, en gros. Hein, c'est 5 km de champignons, 1 milliard de bactéries, 60 000 protozoaires, 100 nématodes, un colambole, un insecte. Donc les gars, ils ont peur de la biodiversité, foutez-leur des coups de pied au cul. Hein. Là, il y a de la biodiversité, d'accord ? Les abeilles, on s'en branle, on s'en fout les abeilles. Hein. C'est pas un sujet. Mais non, mais la première biodiversité, elle est là. Et si celle-là n'est pas là, l'autre ne viendra pas non plus. Hein? Hein? Donc, on ne commence pas par les abeilles. S'il manque des abeilles, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc, qu'est-ce qui ne va pas pour la biodiversité qui est dans un dé à coudre? Comment j'augmente ou je détruis la biodiversité de mon dé à coudre? C'est ça la vraie question. Hein? Ben oui, je passe ça dans un mixeur. Je casse la maison, j'enlève la bouffe. Ben c'est sûr que je fais un pâté, là, hein? Je fais du pâté de colambole, les gars. Hein? Et donc, à un moment donné, on va se rendre compte que la biodiversité, elle a des règles, d'accord ? Ça ne sert à rien de courir après les abeilles si, de toute façon, il n'y a pas la maison et la bouffe pour les abeilles. Et c'est pareil pour tout, pour tout, pour tout, pour tous les êtres vivants, le sol, le machin, tout, la bouffe, la maison, la bouffe, la maison, et c'est pas la peine, le reste... Il n'y a pas d'argent, en fait, finalement. Comment ça, il n'y a pas d'argent ? Il n'y a pas d'argent. Non ? Il n'y a pas d'argent, là.
Et donc, ce qu'on commence à piger, c'est que notre centimètre cube de terre, c'est un truc qui est complètement ahurissant de biodiversité, de vie réellement. La question, c'est à quoi ça sert tous ces champignons, là, 5 km de champignons. Enfin, t'imagines pas, quoi. Là, c'est pas dans du sol conventionnel qui se prend des fongicides. Non, c'est dans de la terre fertile, un sol vivant, un sol qui doit fonctionner normalement. Hein. Oui. Il y a ça dedans. Okay. Voilà. Et dans la proportion d'azotobactères, donc, on en a vu qu'il y a assez d'azotobactères, pardon, sans. Elles font partie du milliard de bactéries. Ouais. Donc, je pense. Dans un sol auto-fertile, il n'y a même pas besoin d'apporter d'azote. Si on... Ah ben jamais. D'accord. Il faut amener autre chose. Il faut amener du carbone. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte. Donc le rythme de dégradation, il va comme ça. La feuille tombe, les grands individus s'en chargent, ils commencent à le digérer, le manger, le broyer. On dilue de la matière organique réellement. Et à un moment donné, ben, une partie va retourner en CO2, une autre partie en eau, une autre partie en oxygène, et une autre partie va rester dans le sol. Hein. C'est-à-dire sous forme d'humus. Et donc systématiquement, c'est l'activité biologique du sol qui prend en charge le carbone de la photosynthèse. Et il va être biodégradé, mis en stock ou être utilisable. Et à un moment donné, où sont les azotobactères ? Vous savez, pour récupérer l'azote de l'air. Hein ? Non, elles sont au début. Et là, il y a des grosses, grosses surprises. Alors elles sont dans les sols où on continue à apporter de la chimie, elles sont fortement compromises parce qu'on balance de l'ammonitrate. Non. Vous allez voir que non. D'accord. Vive la fertilisation azotée. Alors du coup, on s'est dit, il va falloir comprendre ce qui nous arrive. Ça pousse tout seul, pourquoi ? Ça, vous avez ça chez vous ? Les arbres, ils y arrivent. Oui, mais on leur laisse le temps. Donc. Nous, on a un cycle de production. Voilà. Donc, tu commences à piger. Si ça pousse tout seul, est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois ? Le temps ? On sait qu'il faut du temps. Bon. Donc. C'est super, du temps et rien foutre. Hein? Donc, 3. Voilà. Donc, autre, qu'est-ce que tu vois là ? Oui, il y a la faille. Voilà. Et avec quoi on va couvrir ? Que me dit la forêt ? Avec quoi elle couvre ? Les panneaux photovoltaïques. Oui, mais avec quoi réellement ? Est-ce que c'est une plante qui ressemble à un blé nain là, qu'on a sélectionné ? Ben, voilà, c'est... Donc c'est une plante géante. Donc on va avoir un problème avec nos plantes géantes. Est-ce que tu as des plantes géantes dans ton système de culture ? Mais on va commencer à les trouver. Quand tu réfléchis comme ça, tu dis tiens, l'ortie, pas mal, le chardon, pas mal, peut-être qu'il y en a d'autres. Il a dit lentille. Lentille, non. J'ai de l'engrain, moi. Et donc, on va commencer à voir que la couverture, elle est réellement faite avec des plantes géantes, avec des panneaux photovoltaïques, etc. Il y a de la diversité, et après, il y a un dernier truc. Donc. Il faut du temps, je fais rien, donc rien faire, ça veut dire pas de travail du sol. Hein ? Le truc, c'est qu'il y a de la restitution, les feuilles tombent au sol et rentrent dans un cycle. Voilà. Et 5, il y a une ration pour le sol égale du carbone à C sur N élevé. D'accord ? Et là, tu t'es dit, mince, j'ai pas le temps, parce que hein, c'est maintenant je suis paysan,
je travaille tout le temps le sol, je couvre jamais, et surtout pas avec des plantes géantes, j'ai pas la diversité, et j'ai pas le bon C/N pour nourrir le sol. Donc, comment voulez-vous y arriver ? Hein ? Ouais. Mais là, on se dit, oulala, ça y est, les lignes viennent de bouger. Et quand tu te dis, ben, est-ce qu'on pourrait copier ça pour de l'agriculture ? Ben, tu comprends vite que ta plante géante, ce ne sera pas un arbre. À moins de faire de l'agroforesterie, etc., et de les mettre à la place où ils ne t'embêtent pas. Hein ? Voilà, mais globalement, tu dis, bon, ok, il va me falloir des plantes géantes, pas de travail du sol, de la diversité, des C/N élevés. Voilà. Et on se rend compte qu'on a des trucs un petit peu bizarres. Partout où il y a des plantes, il y a de l'eau. Ou c'est pas parce qu'il y a de l'eau qu'il y a des plantes ? Mais c'est la vraie question qu'il faut poser. Et c'est probablement ça, une des clés de compréhension des écosystèmes. Hein. C'est-à-dire, pas de plantes, pas d'eau, ça c'est sûr, mais... Est-ce qu'il y a de l'eau parce qu'il y a des plantes ou pas ? Ça, on aimerait bien savoir. Et c'est une question qui paraît toute bête, mais qui est importante, surtout maintenant. Parce que là, ça va chauffer. Oui. Et il y a à nouveau des nappes. Oui. Oui, il y a deux choses. Il y a un truc qui n'est pas connu, c'est le problème de l'eau. Qu'est-ce que vous savez sur l'eau ? Avant, on disait qu'il y avait des orages locaux. Vous savez que maintenant, tous les orages viennent de la mer. Plus d'orages locaux. Voilà, vous avez le sol. Et l'eau, c'est un truc un petit peu bizarre. Si ce sol, il est nu, il a une charge électrique, il est chargé plus. D'accord ? Et le soleil... il envoie du plus également. Donc le premier problème d'un sol nu, c'est que plus et plus, ça fait quoi ? Ça se repousse. Et donc là, votre eau, elle migre en profondeur. C'est-à-dire que votre sol nu, il va avoir tout un tas de tares, notamment celui-là, c'est-à-dire qu'avec la charge électrique qui arrive sur le sol nu, qu'il est incapable de gérer parce qu'il est nu, eh bien, vous allez éloigner l'eau de la surface. Hein ? Ok ? Donc l'eau va s'enfoncer très loin. Et donc, la grande surprise, ça a été de trouver sous le Sahara un aquifère géant. À 4000 mètres de profondeur sous toute la surface du Sahara, tu as une nappe d'eau immense. Fossiles. Et donc, il y a un premier phénomène comme ça. Ensuite, sur l'eau qui va tomber avec la pluie. Donc, elle ne s'évapore pas, elle s'enfonce. Il y a une partie de l'eau qui va aller de plus en plus loin en profondeur. D'accord ? La pluie. Eh bien, si... Écoutez bien. Si la température du sol... D'accord ? Est supérieure à la température de l'eau, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, systématiquement, vous allez avoir de l'évaporation. Ça veut dire que sur un sol chaud, il pourrait arriver de l'eau plus fraîche. Ben, cette eau, elle est incapable, d'accord ? De rentrer dans le sol parce que le sol est trop chaud. Donc ça fait poil à frire, ça repart direct. Donc là déjà vous avez perdu deux fois de l'eau. Et puis la troisième règle du sol nu, c'est sa battance. En dernier, les collègues avaient mesuré la température au sol en deux couverts et non couverts, il y a 10 degrés. Voilà. Et la dernière perte d'eau, c'est le ruissellement, l'érosion et hop, la rivière. Donc ça fait chasse d'eau en fait. Hein ? Et donc le problème du système de l'eau, c'est hyper grave. Et on sait qu'il y a un seul outil pour récupérer tout ça. Mais oui, on se rend compte quand le sol il est couvert. En fait ici, vous faites, là sur le sol, vous faites du moins. D'accord ? Voilà. Il se charge négativement, votre sol.
Donc, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, la nappe remonte, parce qu'en plus, il y a les racines, etc. Et d'autant plus efficacement qu'il y a des arbres, parce qu'ils vont très, très loin. D'accord? Donc là, on va le mettre en vert. L'eau, elle remonte. D'accord? Et ensuite, si le sol est couvert, vous avez souvent la température du sol qui est inférieure à la température de l'eau de pluie. D'accord? Et là, elle s'infiltre. Et en plus, vous avez une espèce de piège qui empêche, et plus un couvert égale pas de ruissellement. Ou très peu, hein, parce que des fois ça ruisselle quand même, parce que le sol est quand même chaud. Hein. Et donc on se rend compte que, de toute façon, si vous voulez gérer de l'eau de mer, vous avez intérêt à couvrir les sols à tout prix. Hein. Parce que le problème du réchauffement climatique, ça va être la température et la gestion de l'eau. Mais on n'arrive pas à faire pousser nos terres. Je sais, mais ça vient parce qu'on n'a pas les bonnes techniques. Sans compter que si le sol... C'est important pour tout ce qui est échange d'éléments. Oui, 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 oui. Alors. Donc, tu as un problème de couvert, tu n'arrives pas à les faire pousser en été. Donc ça va être... Je peux vous donner une clé. Tu veux que ça pousse en été, ça? Voilà la solution. Il faut fertiliser les couverts. Exactement. J'en ai fait plein, à tous les coups on gagne. On a des couverts d'été, il faut fertiliser. On n'est pas dans le règlement, on est dans l'agronomie. Je veux faire pousser une plante, elle ne pousse pas. J'ai intérêt à envoyer de l'azote et la bonne forme d'azote. Ouais. Ok ? Ben ça, c'est... Quelle forme d'azote ? Toute la journée là-dessus. Hein. Bah, la solution, c'est la fiente. La fiente, pas bon. Non, mais pour faire des couverts, si on met les couverts dessus, les fientes, les lisiers, il faut bien fertiliser. Oui, mais en fait, on va se rendre compte que la fertilisation... C'est pas n'importe quoi. Donc, on est un petit peu avec nos problèmes. Donc, l'eau et la verdure, attention, hein, y a des pièges. Puis, on se rend compte que c'est partout pareil. Dès qu'on ne touche pas, il arrive un truc. C'est toujours pareil, mais jamais pareil, en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est toujours le même mécanisme, mais jamais les mêmes plantes. Parce que le sol change, parce qu'il y a du calcaire ou du sable, mais c'est toujours pareil. D'accord ? C'est-à-dire, il y a des règles qui sont les mêmes partout, tout le temps. Et ce qui change, c'est que dans les Landes, c'est ben, des pins parce que c'est du sable, etc. Ben, ici, c'est des chênes et des hêtres, ou de, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez, c'est ça ? Du chêne. Du chêne, oui. Ouais. Donc voilà, et ça vient de votre climat, de votre pédoclimat, hein, c'est-à-dire l'alliance sol-climat. Mais les règles, ça va être toujours les mêmes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est toujours les mêmes règles. Et donc, pour capter l'azote de l'air, il est probable que ce soit toujours le même mécanisme partout. D'accord ? C'est pas ici des azotobactères et là, autre chose. Non, c'est toujours le même principe. On s'est rendu compte, à force de faire de la pédogenèse, on a appris que c'est la roche qui se dégrade et qui fait du sol. Non, c'est la plante qui fabrique la terre fertile sur laquelle elle va proliférer. D'accord ? La dégradation de la roche, c'est un truc que fait la plante réellement, mais à son seul profit. Hein. Et donc, pas de plante, pas de sol, terminé. Hein. Et donc, comment on le sait ? Ben, c'est pas très compliqué. Je ne sais pas faire une galerie de verre, je ne sais pas faire la porosité du sol, je ne sais pas faire la MO, je ne sais pas faire les colles, les glomalines, je ne sais pas faire de l'argile, c'est une plante qui fabrique l'argile, et je ne sais pas faire un complexe argilo-humique. Hein. Et donc, j'ai intérêt à ce que la plante, elle fasse le job. D'accord ? Et donc, ça a été la grande révélation. C'est-à-dire que, comme le sol, c'est un truc que fabriquent les plantes, ben, il faut les laisser faire. C'est-à-dire qu'un humain, jamais, il ne pourra...
Mais là, tu dis, oulala, hein, hop, et tu dis, comment elles font pour pousser toutes seules, et elles font tout toutes seules. Alors, autre chose, voilà, la nature, quand elle fait quelque chose, elle organise des molécules de carbone. Moi, je ne sais pas produire des huîtres, mais des huîtres savent produire des huîtres, si vous voulez. Je ne sais pas faire un nid, mais un oiseau, il sait faire un nid. Je ne sais pas faire un oiseau. Je ne sais pas faire un arbre, je ne sais pas faire une fleur. Tu sais, la nature, en fait, on va se rendre compte qu'elle organise du carbone. D'accord ? Voilà. Et le problème qu'on a, nous, paysans, c'est que ben, je prends un chat, je le passe dans un broyeur, il n'y a plus de chat. Ça ne marche plus. Hein ? Et pareil avec ma vache, ou pareil avec une huître. Et pourtant, avec le sol, je fais ça tout le temps. Mais la tâtée de chien, on peut la vendre. Oui, éventuellement, tu pourrais la manger. Hein. C'est pour ça que vous disiez que vous gérez la rotation, parce qu'en fait, du blé va organiser du sol pour du blé. Et oui. Tous les ans de culture, forcément, on n'aura jamais le bon sol pour la nouvelle culture. Voilà. Et en fait, il y a quelque chose de très particulier. Ton blé, là, maintenant, si tu le mets quelque part, tu vas couvrir avec une plante géante, ben, le blé, il est disqualifié. Ben, peut-être, mais alors si tu gardes le blé, il faut que tu aies autre chose dedans. Donc il faut que tu aies de la diversité qui arrive. D'accord ? Et donc de la diversité, c'est... Et pour toi, le premier travail, c'est de mettre plus de plantes. Et on se rend compte petit à petit que ton blé, qui est en monoculture de blé, que du blé, tout le monde garde à vous, là, hop, tout le monde pareil, des clones de blé à l'infini, eh bien, il n'y a pas de diversité dans ton champ. Or, dans la nature, tu as de la diversité. D'accord ? On l'a déjà observé, les mélanges radis, ouais. Radis-blé, fèvre-blé. Oui. Même les mélanges de blé. Oui. Ouais. Et donc, on va avoir tout un travail où cette diversité doit être re-réfléchie. Alors, on ne sait pas, Claude Bourguignon disait, il faut 12 plantes ou 16 plantes pour que ce soit propre et qu'on n'ait plus besoin des herbants. Alors, ça, c'est le rêve. On ne sait pas si c'est vrai. Il faudra tester un petit coin comme la table pour démarrer. Hein. Mais peut-être. Hein. Donc, laissons-nous surprendre par les raisonnements. La diversité nettoie. Hein. Et donc, ton blé, ça pourrait être une monoculture de blé mélangée avec une plante relais qui est un couvert permanent avec de la diversité. La question, est-ce que tu sais semer dans une prairie ? Tu sais semer, mais pas récolter, en règle générale. Hein. Hein? Et donc on voit bien qu'il nous manque des trucs dans le raisonnement, d'accord? Alors ça nous a fait dire un truc simple, le travail du sol, c'est une erreur de l'humanité, point. Et elle disparaîtra avec, ou elle se réformera. Hein? N'ayez pas peur, la fin du monde, c'est pas le changement climatique, c'est le travail du sol. Hein? C'est la Corée du Nord, hein, ça dépend. Oui, mais travaille le sol là-bas aussi. Et donc on a commencé un petit peu à travailler là-dessus. Donc voilà votre terre fertile, les Américains nous ont produit ça, c'est une maison, il y a plein d'habitants, et maintenant on va voir comment ça marche, l'azote là-dedans, comment ça vient. Et le premier raisonnement qui vient, ça a été le modèle de durabilité. Avec l'agribashing, il va falloir que vous montiez au créneau, les gars. Hein? Ou les femmes aussi. Hein? Tout le monde doit monter au créneau. Pourquoi ? Parce que vous avez le premier modèle éco-conçu. Regardez, je produis, j'utilise la production, je la recycle parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien, je fais ça avec 0,04% de CO2 dans l'air. C'est-à-dire avec rien, je fais toute la vie sur la Terre. Et maintenant, vous pouvez commencer à dégager tous vos modèles. Quand je mesure les gaz à effet de serre, c'est-à-dire la production agricole, elle mesure des gaz à effet de serre, ben le modèle est faux. Pourquoi ? Parce qu'on ne mesure que la pollution, alors que vous avez un outil de dépollution qui s'appelle une plante et le sol. Donc votre modèle, il doit devenir circulaire exactement comme la nature dans laquelle vous travaillez. Votre champ de blé, ce n'est pas un tas de ferraille. Désolé, mais... Hein, donc ça veut dire que tous nos modèles, ADEME, INRA, machin, Solagro, peu importe où ils sont faux. Et ça, c'est grave, parce qu'on raconte des conneries sur des modèles faux. Hein? On compte, qu'est-ce qu'on fait dans le développement, hein? J'ai un morceau de ferraille, qu'est-ce que je fais? On peut le dessiner, ce morceau de ferraille. Un tracteur, tiens. Je fais un tracteur ici.
Par quoi j'ai démarré? Mais par du minerai. Et on dit, il y a de la pollution tout du long, parce que ma vache rumine, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on a adapté à l'agriculture le modèle carbone de l'industrie. Sauf que vous, si ça c'est le bon modèle, hein, ici, l'industrie égale une projection linéaire, d'accord? L'agriculture, ça c'est faux, parce que l'agriculture égale un cycle. Parce qu'en fait, la vache, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère du CO2 avec du fourrage, par exemple, que vous devez moins les GES, réellement. D'accord? C'est-à-dire que nous, on est coincés, on se rend compte que quand on vient dans la nature qui fonctionne sur un cycle, eh bien, la totalité des modèles et de ce qui se discute à la télé, fake news. Hein? Aujourd'hui, je peux aller à Paris dire à un journaliste, vous qui êtes les chantres de la bonne info, dès que vous parlez d'agriculture, c'est sûr, c'est faux. Hein? Et c'est gravissime. Hein? Parce que nos instituts, nos chercheurs, tout le monde est embringué dans le mauvais modèle. Hein? Et ça va décagner, ça va détruire l'agriculture. Et personne ne comprend rien au cycle de la nature, en fait, réellement. Donc ça, c'est important. Et donc, on peut se faire un raisonnement très simple. Le monde, le globe, il est comment? Il est grand. Voilà. Voilà. C'est un monde qui est fini. 13 000 litres d'eau pour produire un kilo de viande. T'y crois, à ce bobard? Enfin, toi, tu produis de la viande, donc tu vois ce que c'est. Non, je ne produis pas, mais je sais que c'est une erreur. Ben oui, ben donc il y a un problème. Et donc ici, la décroissance, c'est une idée de partage. D'accord? On va partager les ressources. Et la croissance, quelle est l'idée maîtresse? Faire du business. Non, bon. Là aussi, je préfère du business, si je veux. J'ai une idée que quand j'ai un problème, je vais créer un truc pour résoudre mon problème. D'accord? Donc ici, l'idée, c'est créer une solution. Un problème, fatalement. Et on a appelé ça le progrès. Et donc, il y en a qui pensent que c'était mieux avant. T'as envie, toi, de vivre comme ton arrière-grand-père? Tu mets pas 5 euros sur la table, hein, d'accord? Et donc, on se rend compte que dans ce monde, dans ce globe fini, en fait, on est coincé par le raisonnement économique traditionnel, parce qu'aujourd'hui, la linéarité de l'industrie crée plus de problèmes qu'elle n'en résout, changement climatique, environnement, etc. Et pareil, dans la décroissance, on est coincé pareil. Hein. Pourquoi on est coincé là? Mais si vous êtes 3 milliards, ou si vous êtes 12 milliards, qu'est-ce qui se passe dans le partage? Eh bien, votre gâteau, attention, hein. C'est pas dans la nature humaine, je crois, le partage. Voilà, et donc ça pourrait mal finir, ça. D'accord, hein? Et donc on se rend compte que les modèles qu'on a de développement durable, croissance ou décroissance, à un moment donné, c'est route barrée. D'accord? Donc ça, c'est mort. Ça, c'est... Voilà, la route, elle est barrée. Et donc comment vous allez vous en sortir de vos deux pièges là? Vous allez produire plus en agriculture? Oui. Voilà. Oui. Tu vas faire ça. En fait, tu vas te rendre compte que le modèle que te proposent les plantes, hein, oui.
D'accord ? C'est ça qu'elle te propose. Donc, je produis, je consomme, je recycle et j'y retourne. D'accord ? Et là, tu peux y aller. Ça peut durer longtemps. D'accord ? Ça dure combien depuis combien de temps ça dure sur la Terre, ça ? Ben oui, la première photosynthèse, 4 milliards d'années bientôt. Hein, et tu vois bien qu'on n'a fait que perfectionner ce cycle de la photosynthèse. Hein. Donc, du coup, tu n'as pas peur de rien, de ton changement climatique, etc. Vous avez le bon outil, hein, parce que ça s'appelle une plante, celle qui commande la durabilité. D'accord ? Avec rien, elle fait toute la vie sur Terre. Hein. Et donc, les paysans, vous pouvez faire croître les plantes. C'est-à-dire, si je fais, allez, quel est le rendement du blé que tu fais ? 7 tonnes ? 7 tonnes de blé. Eh bien, qu'est-ce que tu dois faire ? Ben, tu dois consommer 7 tonnes de blé et tu dois recycler 7 tonnes de blé. Si tu es logique, est-ce que tu les recycles, tes 7 tonnes de blé ? Eh bien non, ça va tout à la mer, les excréments humains, le phosphore, le machin, etc., ben ça part, d'accord ? Et on se rend compte, en fait, on n'est pas très bon. Mais ici, tu pourrais avoir 10 tonnes de blé, d'accord ? Donc ça veut dire que tu peux faire croître, donc si celui-là il croît, tu peux faire croître celui-là et tu dois faire croître l'autre, d'accord ? Et donc il va se poser tout un tas de questions. La question qui va se poser, c'est... Je recycle quoi ? Hein ? C'est ça la réalité, d'accord ? Et en fait, dans notre société, c'est vite vu. Je recycle rien. Hein ? Si je vais en Chine, j'envoie les déchets là-bas, coup de paquebot, enfin, je sais pas trop. Enfin, tu découvres dans le monde. Hein ? Et donc, on a du bol. La plante, en fait, c'est un cycle sur la matière organique. Et qu'est-ce que c'est la matière organique ? C'est du carbone plus de l'azote. D'accord ? On bosse. Et donc copier la nature pour faire l'agriculture, et ça pousse tout seul, donc il y a une promesse sur l'azote qui arrive. Autre débat qui nous a intéressé beaucoup pour l'azote, c'est là, ça pousse tout seul, mais là aussi, au début, j'ai mon champ nu, et puis au bout de 100 ans, j'ai une forêt. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a de différent entre là et là ? Il y a 100 ans, oui. Mais il y a des choses intéressantes là-dedans. Oui. Au début, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un sol nu. Deux. Il arrive une annuelle. D'accord ? En règle générale, cette annuelle, elle a des caractéristiques. Trois, qu'est-ce qui vient ? Il arrive des vivaces, hein, on va dire ça comme ça. Hein ? Quatre. Oui, vivaces pérennes. Voilà. Les arbustes. Et ensuite, cinq, les arbres. Et la nature, quand on la laisse faire, elle fait ça. Pourquoi elle va là ? Le carbone. Voilà. Donc on se rend compte que si on regarde le carbone, voilà, il se passe un truc. Et visiblement, ça ne se fait pas avec l'azote. C'est-à-dire que pour avoir des arbres, je n'ai pas mis un kilo d'azote. Ouais. Ça, l'azote, elle vient d'ailleurs, ça se fait tout seul, donc on commence à piger que ça vient de l'air, et il y a une suite logique avec les plantes là. Donc le sol nu, l'annuel, donnez-moi des noms de plantes annuelles. En règle générale, des dicotes, c'est celles qui vont le plus vite, en 3-4 mois, boum, puis ensuite vous avez quelques graminées. Voilà. Alors, 1, 2, voilà.
Donc, une plante annuelle. Et donc, que fait la plante annuelle? Voilà. Oui, mais vite. Hein. Donc ça, c'est... Elle va vite. Votre vulpin, c'est vite, si vous voulez. Hein. Quand tu regardes bien, allez, en 6 mois, hein, il a mangé le blé, quoi. Hein. La vivace. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait réellement? Ça, c'est couvrir le sol. Là, ici, c'est la couverture du sol. Voilà. C'est-à-dire, si j'ai un boulot, durée de vie d'un boulot, 25-30 ans, puis après, il meurt. Hein? Donc ça, c'est la préparation du carbone. Voilà. Et puis l'arbre, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit, l'arbre? Là, c'est prospection du sol maximal. Oui, ben, il fait tout, il bénéficie de tout, il fait tout. Donc, du carbone, il en a plein. Mais que me raconterait un arbre? Que tu as bien bossé, que tu as bien dormi en fait. Oui, oui, oui. D'ailleurs, on dort dans des arbres. Donc, l'arbre, qu'est-ce qu'il me dit? Alors si ça peut vivre, on va dire, allez, on va mettre ça à 30-40 ans là. Les arbres qui arrivent ici, les rois de ma forêt là. Ils ont gagné la compétition. Ah, ils ont tout gagné, mais ils sont aidés des autres, ils sont arrivés au fur et à mesure. Mais qu'est-ce que me raconte un arbre? Combien de temps il peut vivre, par exemple? Voilà. Donc lui, il est potentiellement... Voilà. Et ça nous pose un petit problème. D'accord? On se rend compte que ces arbres-là, ils peuvent vivre très, très, très vieux. Il y a des séquoias à 5000 ans, vous voyez? Il y a des chênes remarquables à 1000 ans, des châtaigniers, des hêtres, etc. Donc, en fait, c'est une échelle de temps qui ne nous est pas accessible globalement. Hein. Donc, il y a un truc entre le carbone et pourquoi il vit vieux. Hein. Vous voyez? Comment il fait pour pousser sans azote? J'ai jamais mis une fertile et il y arrive et il n'y a aucun problème. Pourtant, il en a besoin de l'azote pour pousser. Hein. Est-ce qu'on n'irait pas plus vite à mettre de l'azote dans notre système? C'est ce que font les forestiers dans les Landes actuellement. Ils vont mettre de l'azote pour faire pousser plus vite la forêt. Donc on va cultiver la forêt comme on cultive du maïs. Ça pourrait coûter cher, si tu veux. Hein? Et donc on va se rendre compte qu'il y a toute une succession logique de ce système-là. Donc il y a des règles qui sont apparues. Toujours couvert, jamais travaillé, couverture permanente. Forte production de biomasse. Là, je vais au maximum de ce que je peux faire avec zéro intrant. Voilà, c'est biodiversité partout, recyclage maximum. Et le problème, c'est que moi, quand je vais être agriculteur, quel problème je vais avoir? Quand je vais être dans ce cycle, mais oui, il y a des choses qui sortent que tu ne recycles pas. On voit bien qu'on va avoir un problème entre la production, la consommation et le recyclage. Donc, il faut bien réinjecter l'énergie. Oui, et donc... Et donc ta plante, qu'est-ce que c'est qu'une plante? C'est du carbone, d'accord? C'est de l'azote, c'est de l'oxygène, c'est de l'hydrogène, c'est un petit peu de soufre et des oligos. On va dire ça comme ça. Alors il y a un petit peu de P, il y a un petit peu de K. Hein? On va y aller sympa. Donc j'exporte du grain. Donc j'exporte tout ça. Hein? On va dire, allez, c'est le grain. Qu'est-ce que je peux récupérer facilement? Le carbone, est-ce que je peux le récupérer? Du grain, non? Mais du grain. J'ai exporté le grain. Allez. Donc on garde la plante.
Oui, mais peu importe, j'exporte aussi la paille. Allez, j'exporte tout. Et le carbone, on le refait avec une autre photosynthèse. Voilà, donc le carbone, il revient avec le CO2. Le premier couillon qui mange une plante, il pollue et il renvoie du CO2 dans l'air que la plante récupère. C'est pour ça que dans ce modèle-là, eh ben, il y a indéfiniment la vie, puisque dès que la plante prend du CO2, il y a un mangeur de plantes qui renvoie le CO2. Donc c'est bon, le carbone, pas de problème. L'oxygène, ben, pas de problème. Il y a de l'O2 dans l'air, il revient. L'azote. Mais dans ma forêt, c'est du N2. On sait que ça vient de là. Donc ça, je n'ai pas besoin de ramener. L'hydrogène. Il y en a plein. Mais il y a du H+ dans le sol en pagaille, donc on n'est pas embêté avec l'hydrogène. Premier constituant de l'univers. Basta. Soufre, oligo, phosphore, potasse, est-ce que ça revient ça? Voilà. Voilà. Et donc vous avez un problème avec uniquement les éléments minéraux secondaires. D'accord ? Le phosphore, il ne revient pas, puisque le mangeur de blé, ben, ça va dans l'océan ou dans la steppe, je ne sais pas où, mais ça ne revient pas chez toi de toute façon. La potasse, c'est pareil. Si tu exportes la paille, toute la potasse sort de ta ferme. Donc il va quand même falloir la retrouver. Les oligos, ben, c'est pareil. C'est pris dans les roches-mères, etc. Ben, ça vient, ça sort avec les exportations. Et le soufre, c'est pareil. Il n'y a plus de pluie acide. Hein, on l'a enlevé des carburants, etc., pour la pollution, donc il n'y a plus de soufre non plus. Et donc, on va se rendre compte qu'un plan de fertilisation, eh bien, il va se jouer là. Avant, il n'y avait pas les moteurs explosion, il n'y avait pas le soufre par rapport au cycle du soufre. Oui, mais ça, justement, quand on en a mis, ça poussait mieux. Hein. Donc, le soufre, on va découvrir que c'est un élément, enfin, c'est des éléments importants. Nous, on a des problèmes dans nos plans de fertilisation là. Et en fait, on part du principe qu'on a des problèmes avec l'azote. Non, dans la nature, tout ça, c'est gratuit, hein, ça se recycle. Quand ça tombe au pied de l'arbre, ben, tout se recycle, fatalement. Et nous, paysans, on va avoir un problème avec les minéraux. D'accord ? La prochaine bataille, c'est pas l'azote, hein, c'est le phosphore. Hein. Le jour où ça coince sur le phosphore, nous, on est très, très mal. Ça veut dire qu'il va falloir recycler toutes les boues de stations d'épuration. Hein. Voilà. Et du coup, ça nous a donné cette nature, ce cycle, eh bien, on peut le décrire. Le sol est nu, tac, il pousse une plante, la première plante qui pousse, c'est laquelle? C'est une dicote. Alors donnez-moi une plante qui pousse vite en 3 mois. La ravenelle. Hein. Voilà. Donc, des trucs qui nous embêtent beaucoup. Voilà. Vous en avez d'autres? Oui. Moi, je mettrais quand même le sol nu, sol et maïs, parce que c'est vite à taille adulte. Oui, mais le sol est nu, la nature. Ah. Tu fais rien. Hein. Géranium. En fait, on va se rendre compte que toutes nos dicotes de nos systèmes de culture sont quasi là-dedans. En 3-4 mois, c'est des monstres. Qui est-ce qui avait de la renouée, je ne sais pas quoi, là hein? Ouais, renouée persicaire, renouée des oiseaux, renouée liserons, enfin bref, peu importe, elles viennent là. Donc la question, c'est pourquoi tout de suite elles viennent là? Qu'est-ce qu'elles font, ces plantes-là? Comment vous pouvez les décrire? Hein? Ouais. Donc ça, c'est la couverture très très rapide du sol. Donc tout de suite, cette plante, vous avez le sol nu, il y a une levée de dormance. Le soleil, quand il tombe sur la terre nue, il fait une levée de dormance. Et c'est la plante la plus adaptée à ce moment-là qui va pousser le plus vite. D'accord? Et donc, vous ne savez pas quelle dormance vous avez levée. Mais il est sûr que celle qui est levée, elle va aller très vite, en 3-4 mois, elle a battu votre culture, d'où le désherbage.
Donc, les premières plantes qui poussent, qu'est-ce que je peux dire de ces plantes-là? Un chénopode, une amarante, une ambroisie, une renouée. En fait, c'est des plantes qui sont, elles adorent l'azote, elles sont nitrophiles. Il y a deux L, je ne sais jamais. Nitrophiles? Non. Elles sont nitrophiles, c'est-à-dire elles adorent l'azote. Donc elles vont faire un truc très simple. Dès qu'elles poussent, elles vont pomper tous les nitrates. D'accord? Et elles vont être là. Donc, premier cycle dans la nature, c'est je pompe les nitrates. Et ça, ça nous a un petit peu surpris dans l'analyse, parce que ce n'était pas attendu tellement au virage. Donc, un, allez, le chénopode, NCO, hein, pompe les nitrates. Comment vous interprétez ce phénomène-là? Parce qu'après, il y a une forêt. J'y touche plus jamais à mon sol. Ça permet de recycler les nitrates. Oui. Donc, c'est pompe. Donc, toi, tu dis c'est pour recycler les nitrates? Mais c'est pour rééquilibrer avec le carbone. Elle va faire sa soupe, oui, on va le découvrir. Mais donc, première idée, elle va recycler des nitrates. Mais quand elle va pousser, et si jamais je n'interviens pas, je la laisse pousser, elle produit quoi? Oui. Donc, un, le chénopode pompe les nitrates. Deux, il produit quoi? Des graines. Plus de la biomasse. Et dans cette biomasse, est-ce qu'il y a beaucoup d'azote? Il est mûr là. Donc, ça égale du bois. D'accord? C'est-à-dire que cette plante nous dit qu'il se passe un truc précis. Elle nous dit que je ne veux pas de nitrate dans le sol et je dois à tout prix fabriquer du bois pour nourrir le sol. Voilà ce que me disent les plantes, les dicotes. D'accord? Donc c'est pas recycler les nitrates, donc ça c'est faux. Hein, c'est pas recycler les nitrates. Hein. Ce que fait le chénopode, c'est supprimer les nitrates. Ensuite, 1, 2, il produit du bois. D'accord? Parce que la nature sait parfaitement que pour qu'une plante pousse toute seule, il faut que la ration du sol se fasse à base de bois et qu'il n'y ait plus jamais de nitrate dans le circuit. OK? Règle numéro 1. Donc, lorsqu'on a une population très importante d'ambroisie, chénopode, amarante, etc., de l'oeuvre, il ne faut surtout pas faire de soie d'hiver, quoi, par exemple. Pourquoi? Ou des légumineuses. Bah, parce qu'on va enchérir le système en azote, là, non? On pourrait. Donc, il faut mieux faire. Tu as tout intérêt à les laisser pousser en max, voilà, pour qu'elles fassent le bois. Et dans le bois, tu vas semer ta légumineuse. C'est ce que j'ai fait. Mais oui. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait cette année. Oui. C'est pas planté, quoi. C'est-à-dire que j'ai laissé les ambroisies pousser. J'ai fait brouter ça avec des moutons. Oui. Sauf que dans mon arbre, j'ai la chénopode et l'ambroisie, quoi. Oui. Bah, c'est parti. Génial. Et on fait un peu d'hiver là-dedans. Fantastique. On arrive au printemps, là, c'est juste incontrôlable, quoi. C'était logique, hein. Oui. Voilà, en fait, il te manque le bois. Et pourtant, j'y suis allé jusqu'au bout, là. Oui, mais justement. Il ne fallait pas le faire pâturer. Hein. Justement, il ne faut pas le faire pâturer. Oui, non, mais d'accord, mais j'aurais eu quand même les graines. Oui, mais moins. Puisque tu sais que la levée de dormance d'un chénopode, ça se fait en présence de nitrate. Donc si tu le laisses pousser et qu'il fait du bois,
Il n'y a plus de nitrate. Il faut plusieurs années avant que ça... C'est immédiat. On met du BRF dans un champ, il n'y a plus de nitrate nulle part. Oui, non, non, mais... mais oui, parce que toi, tu as besoin de l'azote pour faire pousser les plantes. Mais c'est, la réaction est immédiate. Je pompe les nitrates, je mets du bois, il n'y a plus jamais de nitrates dans le profil. Terminé. C'est immédiat. Paf, ça tombe comme ça. Et là, tu dis... Alors, est-ce que des composts de déchets verts, hein, est-ce que ça, c'est une bonne ressource? Oui, pas cher. Hein. Oui, ben... Le problème, c'est que la nature, elle te dit que tu n'en as pas besoin. Ça pousse tout seul. Oui, mais d'accord, mais je ne vais pas attendre 3 ans. Enfin, bon, mais tu ne vas pas attendre 3 ans. Je pompe les nitrates, d'accord, et je produis du bois. Quelle est la plante qui peut pousser avec zéro azote dans un sol? Une légumineuse qui est une plante autonome dans une situation difficile. Et donc, tu vois bien que la deuxième plante qui pousse après tes dicotes et tes machins, tu vois apparaître des trèfles sauvages, des luzernes sauvages, du lotier, du je sais pas quoi, déjeuner. D'accord? C'est bien des légumineuses, tout ça. Et donc, elles viennent avec les vivaces et tout ça. Hop, les annuelles et les vivaces, elles arrivent. Et donc, c'est le deuxième coup, la légumineuse et la plante pionnière. Et donc on va se rendre compte que, un, j'ai une pompe à nitrate qui produit du bois, parce que les plantes savent bien que pour pousser toute seule, il ne faut pas de nitrate dans le sol, et il faut le nourrir avec du bois. Et la deuxième plante qui peut pousser là, fin d'azote, c'est une plante autonome sur l'azote, une légumineuse. Et toi, quand tu broutes, d'accord, ton kénopode, mais non, mais qu'est-ce que tu fais quand tu broutes ton kénopode? Mais tu le, c'est pas du bois que tu remets au sol. Hein? En fait, tu mets un produit que le sol n'a pas besoin. Tu fais un travail de merde. Hein? Mais non, mais le fumier, c'est ça. Et donc, dans ce copier la nature, tu dois te positionner avec mes interventions d'agriculteur. Et tu dis, ah ben oui, mais la nature, elle a un autre mécanisme que celui que j'ai en agriculture. Là, du coup, on est dans une dynamique à tous un peu, à réintroduction de l'élevage dans les systèmes céréaliers, d'accord? Ouais, mais t'en as pas besoin. D'accord. Qu'est-ce que vous faites chier avec des éleveurs? Ils veulent plus bouffer de... Ils veulent plus manger de viande, les gars. Moi, hein? C'est une contrainte, hein. C'est génial. Ouais. C'est, on va mettre de l'élevage là où on n'a pas le choix. Mais pour ceux qui aiment faire de l'élevage, mais c'est pas une obligation. Non, sauf pour mettre le phosphore, la potasse... Mais peut-être. Oui, oui, ben on, mais il y a d'autres intérêts à l'élevage. Et donc, on va se rendre compte que l'élevage, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'agriculture. C'est une technique parmi d'autres. Et donc, voilà le premier travail. Ma plante, elle pousse, elle supprime les nitrates. Et donc, la nature qui pousse, je n'y fais plus rien. Ça pousse tout seul, il arrive un arbre. Première étape, pas de nitrates dans le sol. Et je mets du bois. Hein? C'est obligatoire. Hein? Et là, la machine, elle va s'enclencher. Et donc, quand on se fait envahir plutôt par des graminées que par des kénopodes et compagnie... Eh bien, ta graminée, qu'est-ce qu'elle te dit? C'est ce que je vous demande. Voilà, eh bien... non, 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 non. Mon ordi, là, voilà. Oui, hop. Donc il faut à tout prix que vous achetiez ce petit livre-là. Ça s'appelle « Le fascicule des conditions de levée et de dormance des plantes bio-indicatrices » de Gérard Dusserf. Et avec ça, vous allez commencer à désherber. En fait, c'est la bible du désherbage si vous comprenez ce qu'il a fait. Dans les tomes 1, 2, 3, l'encyclopédie... Oui, oui. Ça reprend ces travaux-là? Alors, c'est... en fait, il reprend les plantes. Attends, je te laisse prendre la photo. En fait, il reprend toutes les plantes, mais il en a fait un outil de travail pour les techniciens et les paysans. Voilà. Parce que ta Bible, là, tu ne vas pas l'amener dans ta poche, dans le tracteur. Enfin, ça fait un petit peu d'œil. Donc, c'est bien de les potasser. Tu as une flore et encore, tu n'as pas la bonne flore des paysans. Il nous manque toutes les plantules. Il faudrait la vraie flore des malherbologues, plus celle-là. Hein, pour être bon. Hein. Et en fait, il a mis toute la liste des plantes, elles sont classées par nom scientifique et par nom commun. Hein.
vulgaire. Et à un moment donné, il fait des plus et des moins avec une légende ici. Et puis il va dire, tiens, telle plante, elle pousse pour telle raison. D'accord ? Et donc cette légende-là, des signes qu'il met, il explique au début, là, vous avez une légende qui explique le pourquoi du comment. D'accord ? Et donc vous allez trouver votre graminée qui pousse pour telle raison. Hein. Et à la fin, parce que vous ne connaissez pas les noms scientifiques, et moi non plus, pas très bien, alors, à force, quelques-uns, tu finis par repérer, mais il y a un classement par ordre de nom commun et la correspondance du nom scientifique. Donc vous pouvez à la fin, avec un lexique, retrouver à l'envers. Hein. Donc ça vous permet d'y aller. Et donc il faudrait que ça, avec la Bible, enfin ces dictionnaires là, hein, les encyclopédies, il faudrait aussi l'encyclopédie des plantules réellement, tu sais, qu'on a de la malherbologie, de la chimie, enfin des autres, hein, parce que c'est hyper utile de la reconnaître au stade de 3-4 feuilles déjà, ta plantule. Tu sais, hein. Et dans son encyclopédie, tu les as que en végétation et en floraison, tu sais, donc tu les as grandes en règle générale. C'est pour nous, paysans, il faut qu'on sache tout de suite. Hein. Et donc, ça va donner naissance aux nouvelles pratiques de désherbage. Tu as du reira, eh bien on sait gérer du reira sans chimie, rien, pas de souci, ça va marcher. Hein, pour en faire des expériences depuis quelques années, sauf que je dois changer de culture. C'est pas du blé, d'accord ? Cultiver du reira. Oui, je dois cultiver le reira, mais je ne dois pas cultiver du blé. Quand il y a du reira dans un champ, je dois faire une autre culture que du blé. Alors, je pensais que c'était un peu une légende, mais ça peut venir de ça éventuellement, mais on dit que quand on a des problèmes de foie à l'avoine, il faut cultiver de l'avoine. Mais... Oui. C'est vrai ? Oui. Parce que les plantes, en fait, elles vont s'auto-contrôler quelque part pour tout un tas de mécanismes où c'est deux plantes de la même espèce, donc qui vont avoir les mêmes fonctions au niveau du sol. Je le constate, enfin en bio, moi c'est une technique que j'utilise, mais je ne l'expliquais pas. En fait. Non, mais ça, il faut le potasser un peu, ça vaut vraiment le coup. Et si on a les dicotes qu'on disait tout à l'heure, oui. Quelle culture associer ? Eh bien, les dicotes, elles t'apprennent que ton problème, c'est les nitrates. Et la question, c'est comment tu produis des nitrates ? Hein ? Donc, on a un enseignement énorme qui arrive. C'est pas de nitrates pour faire pousser une plante. Ça, c'est règle d'or, règle numéro 1 de l'agriculture des sols vivants. Hein. Ça peut être de l'ammonium alors ? Ah ben ça peut être de l'ammonium, c'est surtout de l'ammonium. Moi si je fais ça dans mes sables limoneux pour rien, pratiquement rien, en fertilité, je fais pas 15 tonnes de biomasse de blé. Non, mais on est bien d'accord. Avec des blés beaux comme ça, on est bien d'accord. Avant d'aller dans la... En fait, vous êtes omnibulé par la problématique du paysan. Ah oui, c'est normal. Donc vous n'y arriverez pas. Non, mais même, moi je produire de la biomasse pour produire du carbone. Oui, mais avant de produire ton carbone, tu dois commencer à comprendre comment marche tout ce cycle de la fertilité organobiologique, parce que ça pousse tout seul et je n'ai pas besoin d'y mettre quoi que ce soit. Et quand tu as pigé comment ça va marcher, d'accord, tu vas être à l'aise, tu vas te dire, eh bien, tiens, je peux amorcer la pompe avec du compost, un fertilisant, je ne sais pas quoi, de l'ammonium, on va trouver exactement ce qu'on a besoin. Tu vois, c'est ce soir. Non, c'est cet après-midi. Mais donc du coup, c'est peut-être de l'azote, mais pas sous forme de nitrate. Voilà, pas de nitrate, d'accord, c'est hyper important. Hein. Donc là, ça c'est important. Hein. Et donc les nitrates, on va l'écrire. Qui c'est la formule des nitrates ? Il y a une autre formule. Voilà. Il faut du NH4. Voilà. Et donc les plantes nous disent, d'accord ? Les plantes nous disent qu'elles poussent sans nitrate. D'accord ? La racine d'une plante, ça absorbe quoi comme une forme d'azote ? Mais ça absorbe des nitrates, hein. Mais la nature, elle s'occupe à les supprimer, d'accord ? À tout prix. Donc il y a deux étapes. Comment on va supprimer les nitrates ? On va faire la plante qui est nitrophile, qui va pousser très vite, mon ambroisie par exemple, ou mon chénopode. Et je fais du bois, et en fait la dépolymérisation du bois, quand je mets du BRF, c'est les champignons qui vont attaquer en premier, d'accord ? Et ces champignons, pour attaquer le bois, ils finissent de récupérer tout l'azote libre du sol.
l'azote libre, les nitrates. Hein, parce que ça, c'est de l'azote libre. Hein. Voilà. Et donc les champignons, ils vont faire un deuxième travail, on l'a vu avec le BRF, vous mettez du bois, ça fait pompe à nitrate immédiatement. Dès qu'il y a du bois qui arrive dans un sol, vous n'avez plus de risque de pollution. Mais comme vous n'avez plus de nitrate et plus d'azote dans la solution du sol, mais il n'y a plus rien qui pousse. Si, qu'est-ce qui pousse quand il n'y a plus de nitrate? Une légumineuse. Et donc maintenant, est-ce que vous savez comment pousse une légumineuse? Oui. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va se rendre compte que la nature, elle va mettre en route les solutions d'autonomie pour capter de l'azote. D'accord? Donc, première règle, si on dessine une légumineuse, on va dessiner une luzerne. Hein, d'accord? Donc, ça veut dire que l'azote qui est dans le sol, il n'est pas sous la bonne forme, mais qu'il faut quand même de l'azote. Oui, il va falloir de l'azote. Et donc, là, il n'y en a plus. Donc, il y a une légumineuse qui peut pousser. Oui, pour... il faut en remettre, mais sous la bonne forme. Tout à fait. Et on va se rendre compte que cette luzerne, elle est en fleur. Elle a des racines. Voilà. Et sur des racines, elle a un truc qui s'appelle une nodosité. Hein? Alors, des nodosités, hein. Ok. Et cette nodosité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle capte l'azote de l'air. Et pourquoi elle peut capter beaucoup d'azote dans l'air? Parce qu'il y en a beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup. Non, parce que le sol, il doit être poreux. D'accord. Une luzerne marche mieux quand même dans un sol qui est déjà bien filtrant. Et bien... Oui, 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 dans un sol poreux, structuré, aéré, machin, comme il faut. D'accord. Donc on se rend compte que la porosité, elle va contenir de l'air, elle va contenir de l'azote, et en fait, cet azote, il y a des échanges gazeux, la nodosité récupère du N2, et qu'est-ce qu'elle fabrique avec ça? Ammonium et puis azote. Voilà, et donc elle va fabriquer un truc qui s'appelle, on va le dessiner en noir, du NH4+. Voilà ce qu'elle va fabriquer. Et donc ça, ça s'appelle de l'ammonium. Voilà. Ou de l'azote ammoniacal. Hein. Et pas nitrate. Mais non. Je croyais que les plantes n'étaient pas capables d'absorber le NH4. Ah oui. Mais c'est des conneries. C'est des conneries inimaginables. Quand il est dans le sol, il n'est pas disponible parce qu'il est collé au complexe argilonique. Oui, mais même pas. La légumineuse, avec sa nodosité, va fabriquer ton azote ammoniacal. D'accord? Alors on va l'appeler ammonium parce qu'il y a un hic dans le hac. Hein, le cal, l'ammoniacal, il nous embête. Mais on va voir, on va l'appeler ammonium. NH4+ est produit et donc ça va aller dans la feuille. Donc ici, il apparaît du NH4+. Donc tous les grands principes de nitrification pour que ce soit assimilable, c'est pour tout oublier ça. Oui, parce que ça s'est fait au labo. En fait, on a enquêté sur les contextes qui ont donné naissance aux nitrates. Ça s'est fait au labo. On a mis de l'ammonitrate, d'accord? Et on a vu qu'au labo, en présence d'ammonitrate, les plantes poussaient super bien. Et on a vu qu'en mettant de l'ammonitrate, 100% de l'azote absorbé était des nitrates. Voilà ce qu'on va trouver au labo. Hein. J'ai une paillasse, si tu veux. Hein. T'as un truc super. Hein. Je mets de l'ammonitrate. Ammonitrate, si je prends sa formule, c'est NH4+, 50%. Et tu as des nitrates, NO3-, 50%. Et on sait que les plantes ont des pompes à nitrate. Donc, en fait, ce qui va se passer au labo, un prélèvement, et le temps qu'elle prélève les nitrates, il fait chaud dans un labo. Ah oui, d'accord. Donc celui-là, il se transforme, et donc, deux, toujours des nitrates. D'accord? Et donc, on va déterminer avec une expérience de labo, où il n'y a pas de facteur limitant, etc., où tout va bien, que ben, les plantes sont super bien avec des nitrates, elles poussent super vite, elles sont vertes, etc. Sauf que quand on va mettre les nitrates dans un champ, qu'est-ce que ça a comme problème, les nitrates? Ça va remplir
quand elle évacue des plantes, et du coup, il n'y a plus de place pour les molécules de défense. Ça, c'est après. D'abord, c'est lessivable. D'accord ? Il n'y a pas d'accent. D'abord, c'est lessivable. Et parce que c'est lessivable, la plante, elle ne laisse pas perdre, elle prend. D'accord ? Et il va lui arriver tout un tas de bricoles. Et dans la nature, on commence à comprendre que ça ne marche pas avec des nitrates, justement. Les nitrates, c'est un truc d'humain dans un labo. Et on en a fait de l'ammonitrate. Or, ça marche tant que... Hein ? Dans la nature, la nitrification n'existe pas. Si. Mais elle ne démarre pas là. Ça, c'est la fin. Dans la nature, il y a un cycle avant. Et la nature, elle va te la prendre avec la légumineuse. Donc, elle va mettre du NH4 dans la feuille, et puis il va se passer un truc dans la feuille. Le N, il va rester. Et maintenant, elle va se... Allez, hop, on va le mettre en vert. Elle va réinjecter dans sa racine le H+. D'accord ? Donc avec son azote, là, elle va fabriquer de la protéine, hein, les 20-24% que vous connaissez de protéines MAT, hein, des vaches, etc. Et l'hydrogène, elle le sépare et elle l'envoie dans la racine. Et donc dans la racine, qu'est-ce qu'elle va faire ? H+, c'est quoi ? Il y a l'hydrogène. Ben oui, c'est basique ou acide ? C'est acide. Ben oui, donc ça c'est acide. pH, allez, entre 4 et 5. Voilà. Elle va dégrader le sol. Ben oui, elle va aller hydrolyser le sol. Hein? Donc elle va récupérer des éléments minéraux. Hein? Et donc là, on est un petit peu mal. Tu dis, bon, ok, la nature, elle fonctionne comme ça. Elle va acidifier la rhizosphère pour aller choper les éléments minéraux. Hein? C'est pas chaud qu'elle fait, la plante. Hein? Elle fait l'inverse. Hein? Elle envoie de l'acide. Et donc, ce fameux acide-là... On dirait que la vivante, en théorie, quoi. Ça pouvait même aller jusqu'à dégrader de la roche. Oui. Ben, dans les crêts, là, de la Marne et tout, partout, qu'est-ce qui pousse ? Si c'est pas la luzerne qui pousse bien. Hein ? Et tu vois bien qu'elle fait des trous dans la craie à n'en plus finir, à 20 mètres de profondeur s'il faut. Ça l'arrête pas. Donc le calcaire, il n'y a aucun problème, puisqu'elle a une espèce de perforateur acide qui lui permet de descendre où elle veut. Donc du calcium, elle en aura toujours plein à disposition, etc., etc. Donc on se rend compte que les plantes, elles font des trucs un petit peu bizarres. Hein? Alors, on continue? Parce que ça devient intéressant. Hein? L'azote, c'est un vrai beans. Hein? On va enlever ça. Hop. Hop. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous avez comme problème dans vos sols, pH du sol ? 8, allez. Voilà. Voilà. Et puis là, tu vas te rendre compte que tu as des problèmes. Et là, à 8, on a des problèmes aussi. Hein? Voilà. Donc, allez, on va y aller. Voilà. Vous avez une CEC qui vient du complexe argilo-humique. Jusque là, on est d'accord. Qui est-ce qui a de l'argile chez lui ? Vous voyez ? Donc déjà, on pourrait se dire, l'argile, il n'y en a pas toujours, quoi. Hein? Hein? Donc tu as intérêt à avoir de l'humus, c'est ça que ça veut dire. Hein? Voilà. Donc attention, il y a des chanceux qui ont de l'argile, et puis d'autres qui en ont trop, donc ils ne sont pas chanceux non plus, et d'autres qui n'ont pas d'argile. Donc il faut de l'humus, et la charge de ce truc-là, c'est moins. C'est chargé moins. Donc, dans la nature, qu'est-ce qui va se produire ? La légumineuse, qu'est-ce qu'elle produit comme forme d'azote ? Voilà. Donc, elle va faire du NH4+, qui va se
coller au complexe argilo-humique. D'accord ? Et si je mets des nitrates dans la nature ? Donc. Alors, il faut un lien, il faut insérer de plus au milieu. Voilà, donc, ça lessive. Ok ? C'est pour ça qu'à l'école, on nous avait appris que en fait, le NO3 moins était disponible pour la plante, puisqu'il était dans la solution, alors que les... Oui, et dès qu'il pleut beaucoup, il est dans la nappe, et tout le monde râle. D'accord ? Celui-là, jamais. D'accord ? Puisqu'il va se coller systématiquement, tant qu'il y a de l'humus. C'est là qu'on nous a fait fonctionner les apports. Donc quand tu baisses le taux d'humus, attention, tu rétrécis ton complexe argilo-humique et ta CEC. Donc la CEC ne peut que augmenter avec l'humus, déjà. Hein. Donc là, tu dis, bon, ok, il va y avoir un problème, et que fait la plante ? Eh bien, elle va prendre celui-là, d'accord ? Donc ça, ça va pour la plante. Et qu'est-ce qu'elle fait en échange ? Voilà, elle remet un H+, hein, qui va se coller. Ok ? Donc la plante, elle est capable d'absorber du NH4, oui. Tout comme du NO3. Oui, elle absorbe les deux. Deux mécanismes différents. Ben, avec le même mécanisme à quelque chose près, hein, mais il va lui arriver plein de bricoles avec ça, alors qu'avec ça, ça va très bien. Puisque dès qu'elle va faire le système, elle va remettre un hydrogène. Et donc, en fait, plus vous avez d'hydrogène sur votre CEC, plus vous avez de capacité d'échange. Parce que hydrogène, c'est très mobile. Dès qu'il arrive un plus, paf, il se barre. Hein ? Donc, c'est bien. Ouais, mais alors, il y a un truc que je ne puisse pas, moi, c'est que justement, l'hydrogène, à la base, c'est bien lui qui est responsable de l'acidité, on est d'accord. Mais derrière, pourquoi on cherche tous à approcher un pH autour de la neutralité ? Parce que si on est à un pH à 4,5, et qu'on a une plante qui va reblinder en hydrogène le complexe argilo-humique, comment on s'en sort, quoi ? Il y a un truc que j'arrive pas à mettre. Ben non, parce que... Ton problème, c'est j'ai mon tas de sable à pH 4,5 par exemple, et je vais envoyer de l'hydrogène là-dessus. Ça ne va pas faire grand-chose, il y a de l'hydrogène partout déjà dedans. Hein. Donc c'est pas très grave. Le problème du sable, il est où ? C'est qu'il n'y a pas d'argile et qu'il n'y a pas d'humus. Donc tout est lessivable, il y a même les plus sont lessivables. Hein, tu vas acidifier l'eau sous un tas de sable. Hein, c'est connu, le pH de l'eau, il baisse jusqu'à 5,5 des fois. Hein ? Et donc c'est pour ça qu'on parle du pH de la solution du sol, et pas forcément du pH du sol. Oui. Le pH du sol, il est différent. Et donc, toi, tu dois envoyer dans ton système, tu dois envoyer quelque chose qui ressemble à de l'hydrogène et de l'humus, et si tu as du bol, tu as de l'argile en plus, complexe argilo-humique. En fait, on va se rendre compte que tu vas avoir des problèmes dès que tu commences à tricher ou à jouer avec ça. Si tu fais du... Maintenant, tu envoies du calcium Ca++. Qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, tu vas mettre plus ici et tu vas créer une double liaison qui est stable. D'accord ? Cette double liaison stable, ben, elle tient, elle colle. Et donc, tu ne peux plus récupérer le calcium. Ah, on ne l'avait pas appris comme ça. Eh bien, jamais, mais je sais bien, moi j'ai appris comme toi. On mettait le CR2+ au milieu et claque, ça collait à NO3- moins une connerie d'engendre. Oui, parce que. Regarde, toi tu peux mettre du plus partout, d'accord ? Et puis à un moment donné, c'est saturé, donc il reste un plus qui traîne là, d'accord ? Hein ? Hein ? Parce que tu pourrais saturer, donc ce calcium-là. Si saturé, d'accord ? En calcium, eh bien, ce calcium, il est disponible puisqu'il est accroché qu'avec un seul moins. Et là-dessus, tu pourrais espérer mettre un NO3- qui va s'accrocher comme ça, là. D'accord ? Donc, tu vas chôler pour essayer de sauver ton nitrate. Ben oui. Et en fait, on va se rendre compte que toi, tu vas commencer à créer de plus en plus de doubles liaisons. Parce que tu pourrais avoir tout saturé en calcium et tu pourrais avoir ton complexe, ton calcium, comme ça. Donc, allez, jusqu'à là, ton calcium, il va à peu près bien. Il pourrait être récupérable parce que tu as tout saturé, tu as chaulé comme un âne. Hein. Mais là, il va se passer un truc, tu vas mettre du phosphore.
Donc du PO4 moins moins. Donc tu vas mettre un moins ici, un moins là. Et tu vas faire une double liaison stable à nouveau. Et donc tu vas pouvoir prendre le calcium, mais du coup il est lié au phosphore, donc tu ne peux plus rien prendre, ni le phosphore, ni le calcium. C'est ça ce qu'on appelle. Oui, et là tu vas bloquer ton, d'accord, tu vas bloquer ton phosphore ce coup-ci. Donc chôler, c'est la pire connerie que vous pouvez faire à un sol. Hein? Donc, on parlait de chôler, ça veut dire corriger le pH oui, en général. Oui, corriger le. Non, non, corriger le pH est une grande connerie. Hein? Mais dans du sol calcaire. Mais amener du calcaire. Mais dans un sol calcaire, c'est comme ça, de toute façon, tu es coincé. Ben voilà. Non, mais c'est ça. Tu peux rien faire, tu es déjà bloqué. Tout va se bloquer dans le sol calcaire. Ouais. Tu es saturé en calcaire. Dans hein? un sol à 5. Hein? Mais dans un sol à 5, tu as besoin de trouver du calcium. Donc comment tu vas trouver du calcaire ou du calcium pour les plantes? Dans un sol à 5, parce que tu as chôlé, ça ne sert à rien, ton pH, enfin ta CEC, elle est ridicule là-dedans. Hein, donc si tu mets de la chaux toute fine, broyée, d'accord, tout de suite tu vas tout saturer, donc tu supprimes tes capacités d'échange. Tu vas bloquer ton sable, encore pire que tout. Donc tu dois mettre un calcaire à faible solubilité carbonique. C'est-à-dire un truc très grossier, ah, ouais, du sable, un carbonate, mais sable, des graines de 3-4 mm. Hein, des... faut quand même... ah ben, dans le sable, il va falloir du calcaire, d'accord, mais pas un truc qui chôle, d'accord, pas un truc qui vient corriger le pH. Moi, je voulais savoir, dans les terres de craie, dans la Marne, dans le cinéma, oui, il y a un gros conseil, parce que vous... Oui, un petit peu, ouais. Bon, ben... Eux, nous, on étudie par eux. Par ouais. Et en fait, ils nous font chôler les terres calcaires. Oui. Blanc. Enfin, oui. C'est plus très blanc, parce que les noirs qui mais qu'est-ce qu'ils vous font mettre? Mais du... Non, non, mais un carbonate, évidemment. Oui, mais de quel... On chôle quand même des terres. Oui, des mais... Terres en fait, les... Parce que le calcium, parce que le calcium, il peut voilà. Il est bloqué. Ouais. En fait, ah, moi je pensais mettre des carbonates dans les sables, mais dans les terres carbonées déjà, enfin carbonatées plutôt, ou les carbonates, quoi. Enfin je me dis, c'est un décor, pourquoi on met, voilà, pourquoi ça fonctionne mieux. Alors, vous pouvez mettre des graines 3, 4, 5 mm, hein, des gros grains, de façon à ce qu'il y ait une solubilité lente, pour avoir du calcaire à disposition au fur et à mesure de l'acidification que vont faire les plantes. D'accord ? Donc. Voilà. Et donc, quel va être l'avantage d'avoir un produit très grossier à base de calcaire ? Là, 3, 4, 5 mm. Hein ? Oui, ça c'est le premier avantage, donc on ne va pas bouger beaucoup les pH, mais mettre du calcaire à disposition. Mais c'est un autre très gros avantage. Ben, le prix, oui, ok. Donc tu peux en mettre beaucoup sans jamais chôler une seule fois pour 5 ans, par exemple. Tu sais, donc des chantiers, voilà, rapport qualité-prix imbattable. Mais il y a un autre gros secret dans ces produits-là. Oui, ça c'est... Pour eux. D'accord ? En fait, vous allez améliorer la porosité du système. Hein ? Quand on est dans les sols calcaires, du coup ? Eh bien, quand on est dans les sols calcaires, du coup, tu n'as que des doubles liaisons qui vont se mettre en place, tous les moins, tu sais. Donc, toi, tu vas avoir un truc très particulier. Donc, tu vas avoir Ca++, plus, allez, PO4 moins moins. Et puis vous avez votre double liaison, le phosphore est bloqué, pour aller le prendre, comment fait la nature pour récupérer le phosphore? Ben oui. Donc ici, vous devez envoyer un acide. Mais alors pourquoi on chauffe les sols de craie? Enfin, je bloque toujours là. Mais parce que on estime que ton dossier, ton calcaire, il n'est pas assimilable, donc on en amène de l'assimilable. Mais donc du coup, on peut aussi, si on en amène trop quand même, on peut bloquer les phosphores. Oui, parce que tu aurais un autre outil qui s'appelle une légumineuse qui ferait le job. Hein? Parce que ça s'appelle une légumineuse. Oui.
D'accord ? Et donc, donnez-moi la meilleure des légumineuses pour aller faire ça. Luzerne, oui, pas mal, mais une autre. Le lotier. Et en fait, la meilleure, c'est la fèverole. Parce qu'elle, elle a un pH racinaire à 4. Voilà. Et on s'est rendu compte, à force d'enquêter, que la fèverole, c'est la plante pionnière, c'est celle avec qui on a tout appris, hein, parce qu'elle pousse partout, même dans le sable, puisque de toute façon, ses racines vont faire des pH à 4, dans un pH à 4, pas de problème. D'accord ? Hein ? Tu peux lessiver de l'hydrogène, c'est pas très grave. Hein ? Et donc, cette plante-là, elle est autonome, et quand elle va réinjecter, en séparant son ammonium, elle garde l'azote, elle fait sa protéine, elle réinjecte l'hydrogène, et là, elle envoie un truc pH 4. Hein. Et donc, la fèverole, c'est cette plante-là, c'est la super plante pionnière du semi-direct. On a tout appris avec cette plante-là. C'est le couvert végétal par excellence. Même s'il a plein de défauts, que ça se salit, etc. Mais cette plante-là, elle nous apprend tout au fur et à mesure qu'on progresse avec. Et moi, ce que j'ai appris avec ces Joël et William, c'est que dans la rhizosphère du maïs, contrairement à la fèverole, c'est qu'on est sur des pH plutôt à 6-7. Oui, le maïs, il aura ça. Le maïs, par définition, égale 7,5 en pH. D'accord ? Voilà, et donc, voilà. C'est pas le même phénomène. Non, le maïs, il fonctionne pas du tout comme une légumineuse qu'on a vu tout à l'heure. Donc, du coup, la plante, en fait, les plantes, elles le savent parfaitement. Pour récupérer du calcium, des phosphates ou autre chose, il faut envoyer un acide au niveau du sol. D'accord ? Donc, elle le fait avec de l'hydrogène. Et il y a des plantes qui ne le font pas. Parce que le maïs, là, il aura quelques petits soucis. À pH 7, il aura du mal à récupérer un truc. Donc, dans la feuille, il va nous arriver des bricoles. Donc, maintenant, l'azote est dans la feuille. Ah, ça y est. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la feuille, réellement ? Mais dans la feuille, vous avez une espèce de truc qui va se passer comme ça. On va le dessiner, hop, en deux. Et il arrive du NH4+, voilà ce qui arrive dans la feuille de la luzerne, hein, dans la feuille de la fèverole, dans la feuille des légumineuses, en règle générale, ça marche comme ça. Voilà, et il va y avoir un truc, on va séparer le N du H4+, et on va réinjecter l'hydrogène ici, dans la racine. D'accord ? Voilà ce que fait la plante. Donc dans la racine, premier job, pH 4 ou 5, hein, on est là-dedans. Hein. Donc ici on met du H+, pH 4 à 5, peut-être 5,5, mais à mon avis j'y crois pas trop. Et qu'est-ce qui va se passer à pH 4 ? À pH 5. Et bien, la plante, elle casse toutes les doubles liaisons, tout, donc elle va récupérer les minéraux. D'accord ? Donc ici, vous aurez, là, vous allez avoir une bonne nutrition minérale. Donc ça veut dire que les minéraux, ils vont suivre avec la sève. Ils vont arriver là. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'azote maintenant ? Ben ici, avec l'azote, on va faire un truc simple. On va faire des protéines, des sucres. Voilà. On va fabriquer ça, photosynthèse. Et puis, il y a un truc qui va se passer. J'ai une cellule avec des chloroplastes. Voilà. Et donc dans cette cellule, il y a du liquide, c'est le cytoplasme, hein, hop. Et on va dire que
ce mécanisme-là qui vient de la biologie de la nature, c'est quantité de sucre égale 1, quantité de MAT, la protéine, égale 1, et quantité d'eau pour les besoins de la réaction chimique égale 1. C'est le standard, c'est la norme. Donc la nature, elle va fonctionner comme ça, et pour faire la synthèse des protéines, ici, il y a un facteur limitant important, c'est il faut des oligos. C'est-à-dire, on se rend compte que les oligo-éléments sont hyper importants dans la synthèse des protéines. Si ça manque, eh ben, vous aurez moins de protéines. Alors, ça n'intervient pas, en fait, c'est des catalyseurs, hein, on ne les retrouve pas, mais ils interviennent dans les réactions biochimiques qu'ils accélèrent, si vous voulez. Donc, il faut des oligos, et ça, c'est un des facteurs limitants importants actuellement en agriculture. Alors ça va nous servir pour plein de trucs, et puis notre système marche bien, et avec ça, on a une plante en bonne santé, hein, bonne nutrition minérale, et là on va mettre bonne santé. Voilà. C'est ce que nous fait la nature. Et nous, on va envoyer quoi à nous ? Des nitrates. Hein, c'est l'autre solution, il pourrait y avoir des nitrates. Donc pareil, les nitrates... Ils vont venir avec la racine, hop, ils vont aller là, et ça s'écrit NO3-, ce truc-là. Et que va faire la plante avec des nitrates ? Ben, elle va faire pareil, elle va fabriquer des protéines, elle va séparer, donc elle va prendre N et O3-, elle va fabriquer ses protéines en sucre, voilà, tout va bien. Et qu'est-ce qu'elle fait avec l'oxygène ? C'est quoi l'oxygène pour une plante ? C'est un rejet. En fait, on commence à comprendre que l'oxygène est un déchet toxique de la photosynthèse. La plante, elle se débarrasse de l'oxygène. Oxygène égale poison. Hein ? Pour la plante, d'accord ? Mais elle ne respire pas la plante ? Si. Elle fait de l'oxygène, non ? Non, non, non. Pour la plante, l'oxygène égale un poison. Pourquoi ? Parce que son bilan net de la photosynthèse, c'est je garde le carbone et je dégage de l'oxygène. Alors elle en a besoin pour respirer, donc elle contrôle l'oxygène. Comme c'est un poison, elle va faire un truc très simple. La plante... contrôle l'oxygène. Et avec quoi elle contrôle l'oxygène ? Ah, ça sert à la respiration, mais ça c'est le métabolisme, non ? Qu'est-ce qu'elle a trouvé, la plante, pour contrôler l'oxygène ? L'hydrogène ? Non. Donc elle va contrôler l'oxygène avec un truc qu'on appelle des anti-oxygènes. Voilà. Hein? Donc des antioxydants. Hein? Égal, qui est-ce qui a gagné la bataille de l'immortalité ? L'arbre. Ben oui. Un arbre, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a dans la lignine et dans le bois ? Oui. Il y a des tanins. Qu'est-ce que c'est que des tanins ? Ben oui, c'est le plus puissant des antioxydants du monde végétal. On conserve bien du vin dans une barrique. Hein ? Ok ? Et donc on se rend compte que l'arbre, s'il est immortel, c'est qu'il contrôle l'oxygène. Enfin, hein, immortel entre guillemets, hein, ça, on s'entend bien, mais globalement, il vit très vieux. Et donc, il a maîtrisé le contrôle de l'oxygène avec ses antioxydants. Ok ? Et donc, la plante, elle a un souci,
dès que la photosynthèse est enclenchée, elle a un problème avec l'oxygène. Qu'est-ce que c'est que l'oxygène ? Si c'est un poison, on pourrait l'appeler comment ? Oui. Oxygène égale le feu, égale la mort. D'accord ? Plus tu respires, plus tu meurs. Hein ? C'est ça. Donc tu vis un petit peu plus longtemps. Hein ? Mais on se rend compte que, en fait, tous les mécanismes de longévité, ils sont basés sur le contrôle de l'oxygène. D'accord ? Pourquoi vous devez manger 5 fruits et légumes par jour ? Oui, les antioxydants que contiennent les plantes qui vous permettent de contrôler le métabolisme de l'oxygène. Hein ? Et regardez le problème de la plante. Qu'est-ce qu'elle a comme problème ? Problème de la plante. Le problème de la plante, c'est quand on y apporte justement l'ammonitrate. Non, avant ça, non. Dans la nature, la plante, elle a quel problème ? La plante, allez, ça c'est du carbone, plus O2 égale, j'ouvre le tirage de mon poêle, j'en vois quoi ? Donc de l'oxygène. Donc ça brûle plus. Voilà, donc ça s'appelle le feu. D'accord ? Donc les plantes, depuis qu'elles font de la photosynthèse, elles n'ont de cesse que de contrôler le taux d'oxygène et de le réguler, etc., et de lutter contre l'oxygène, qui est un véritable poison. Regardez, je laisse traîner un bout de ferraille, mon tracteur, je reviens dans 100 ans, il n'y a plus de tracteur, il y a un tas de rouille. Hein ? Alors peut-être pas 100 ans, mais 200 ans, parce qu'il y aura un petit peu de fonte, mais globalement, on se rend compte que l'oxygène va tout dégrader. D'accord ? Donc la plante, elle doit contrôler à tout prix l'oxygène. Donc la plante contrôle O2 obligatoire. Et là, il va lui arriver des problèmes. Ben oui, toutes les fertilisations à base de nitrate vont semer la zizanie dans vos parcelles. Et la question, c'est comment on fait des nitrates ? Ben c'est pas dur, regardez, carbone plus O2, ça s'appelle humus plus oxygène égale, d'accord ? Regardez comment on fait des nitrates, ben on travaille le sol pour faire des nitrates. Ben oui, regardez, humus, la nature, c'est C plus N, et ça s'appelle de l'humus, c'est structuré, organisé. Pas de fuite. Voilà. Et maintenant, vous allez faire quoi ? J'ai acheté une Hercellelli. Hein ? Donc, plus énergie, plus O2. Voilà. Donc, C plus O2. Ben oui. Donc là, vous allez faire CO2, hop, GES, et l'autre truc que vous allez produire, c'est N plus O2, mais comme il y a beaucoup d'oxygène qui arrive, DNO3 moins, lessivable. Et ça s'appelle une équation de la pollution en agriculture, d'accord ? Et donc, tant que vous serez à faire ça, vous ferez des nitrates et on aura des problèmes avec cette partie-là du système. D'accord ? Donc, il va falloir apprendre à gérer un système là. Notre système agricole, il faut le gérer là. Et donc là, on commence à prendre peur parce qu'en fait, la totalité de l'agriculture française est embarquée dans les nitrates et on va nous interdire l'urée. Et on commence à comprendre que les nitrates, c'est juste le produit de merde qui va
interdire aux paysans d'aller dans l'objectif lutte biologique intégrée, phyto, machin, et que nos plantes elles seront tout le temps dézinguées. Donc c'est... Ouais, bah de, je finis. Hein. Donc on va finir la feuille, on va y revenir. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la feuille? Donc on produit des protéines, des sucres. Là aussi, il va falloir des oligos. Hein. Donc c'est pas trop mal. Et il va rester un monstre ici. O3, c'est de l'ozone. C'est de l'ozone. Alors O3 moins, je ne sais pas, mais O3, c'est de l'ozone. Et ça, c'est un toxique fort. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'ozone? Je désinfecte l'eau dans mes tuyaux. Enfin, je désinfecte mes tuyaux pour faire passer l'eau. Hein. Oui, on a le chlore et l'ozone, deux grands traitements oxydants, puissants. D'accord? Pour désinfecter l'eau. Donc là, on est en train d'envoyer le désinfectant dans la cellule. Donc la plante, elle va s'en débarrasser, dardard. Donc elle a un problème, donc elle fait des OH- ici, parce que l'hydrogène, elle sait gérer. Elle va coller un hydrogène à l'oxygène et elle va envoyer ça, hop, dans la racine. Voilà. Et du coup, tu fais une base pH 8. Et à pH 8, qu'est-ce qui va t'arriver? Eh bien, tu ne peux plus récupérer les minéraux, tu ne peux plus faire l'acide, tu ne peux plus rien récupérer. Donc, ici, tu vas avoir une plante qui va être malade. Voilà. Puisque la nutrition minérale, phosphore, machin, tout ça, si tu n'en mets pas un max, tu sais, par apport, ben, tu ne peux rien récupérer. Et curieusement, tu vas avoir le pH du sol qui monte. Hein? Donc ça, c'est le premier débat. Et puis le dernier débat de cette feuille-là, il va arriver ici. Voilà ma cellule. Hop. Et puis, elle va avoir un big problème. Voilà. Et le big problème, il arrive que la quantité de sucre... c'est un tiers. La quantité de protéines, c'est un tiers. Et la quantité de d'eau, c'est fois 3. D'accord? C'est-à-dire que pour faire la synthèse de ces protéines, la plante, elle a besoin de 3 fois plus d'eau en présence de nitrate qu'en présence d'ammonium. Donc, elle va être sensible à quoi, cette plante-là? Mais stress hydrique, dès qu'il y a un stress hydrique, en présence de nitrate, elle est foutue. Elle ne pourra plus faire la synthèse de ses protéines. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on dit que le troisième apport en ammonitrate, ça augmente les taux de protéines ou pas, enfin, oui. Est-ce que c'est pas parce que justement ça déshydrate, ça enlève la capacité à produire plus de grains ou... Non, c'est en fait, quand tu n'as pas de facteur limitant eau, ça marche bien. Mais si un stress hydrique arrive, attention, danger. Le dernier apport, il ne sera jamais valorisé. Hein? Et donc, qu'est-ce qui va rester dans la plante? Il va rester de l'azote sous forme N, qui ne se transformera pas en protéines acides aminés. D'accord? Conclusion, tu vas faire de l'azote soluble dans ta plante, et tous les éleveurs savent que si cette forme d'azote traîne dans un végétal, qu'est-ce que c'est? C'est toxique pour les animaux. Chiasse, diarrhée, machin, mort. D'accord? Les veaux qui sautent, etc., etc., et des mammites à gogo, et tout ce que vous voulez. En fait, c'est parce que la synthèse de la protéine ne pourra plus se faire si le stress hydrique apparaît. D'accord? Donc, l'apport d'azote en présence d'eau, il n'y aura pas de souci, puisque tu vas supprimer un facteur limitant, mais en présence de stress hydrique, danger de mort pour la plante. Et donc, il nous arrive des trucs, donc ça, c'était le gag de l'année dernière, on m'a mis dans un avion, pour faire un rendez-vous, alors on te paye le taxi pour aller à l'avion de l'aéroport, le taxi pour aller au rendez-vous, et vice-versa. Hein. Tu dis, mais non, pas faire le rendez-vous. Si, hop, hop, le taxi t'attend, il est commandé, et tu fais le rendez-vous. Et le meunier, il te dit, j'ai des problèmes avec mon blé qui a plein de protéines, mais qui n'est pas bon. Et tu lui dis, ben oui, c'est plein d'azote soluble, c'est normal, c'est un véritable poison. Et en fait, comme nous, on mesure de l'azote total,
type Kejdal, on ne mesure pas les bonnes ou les mauvaises protéines, eh bien on se fait avoir régulièrement. Et quand tu es avec le meunier, il te le dit. Hein. Donc tu n'as pas intérêt à mettre des nitrates et à fractionner de l'azote, hein. Ça c'est interdit. Hein. Et on se rend compte qu'il va y avoir tout un tas de problèmes sur les nitrates. Donc besoin de beaucoup d'eau, attention au stress hydrique. Donc il faut que les apports soient faits quand il y a de l'eau. Hein. Hein. Deuxième étape. Ma protéine, elle est divisée par 3 dans la cellule. Et ma cellule, elle dilue par 3 son sucre. Et donc, qu'est-ce qui va arriver à cette cellule qui est 3 fois plus grosse et où on a dilué par 3 le taux de sucre ? Elle n'est pas capable de se défendre. Hein ? Elle n'est pas capable de se défendre. Mais elle va avoir un problème dès qu'il va y avoir un stress. Je vais vous faire un exemple, après on va arrêter. Ça, c'est la cellule normale. Ammonium. OK ? Et maintenant, si je la gonfle 3 fois plus. Enfin, j'ai peur que ça pète, mais vous avez tout de suite compris. Qu'est-ce qui va se passer sur la paroi cellulaire ? Mais oui, elle devient très très fine. D'accord ? Donc, une attaque de champignons. Hyper facile. Un petit trou, vite fait, paf, ça va dedans. Alors que 3 fois moins, tu sais, la paroi est beaucoup plus dure. Donc là, pour faire un trou, il faut déjà y aller un peu. Donc ça va être sensible aux maladies, cette affaire-là. Et puis on sait que tous les insectes piqueurs, suceurs, ils adorent des taux de sucre bas dans les cellules. C'est-à-dire, plus le taux de sucre est dilué, plus ils attaquent. Donc non seulement tu as dilué en présence d'eau, d'accord ? Tu crées du stress, tu favorises, d'accord ? Les champignons, et c'est super facile à piquer dedans. Donc n'importe qui va faire un trou, je ne te dis pas le champignon. OK ? Et donc la nature le sait, donc la nature elle travaille sur l'ammonium et jamais sur les nitrates. C'est pour ça qu'elle commence à les supprimer et qu'elle va mettre en route un autre mécanisme autour de l'azote et on verra ça cet après-midi. Ça c'est bien teasé. Hein? Beau teasing. Je vends des trucs, tu sais. Mais petit à petit ça va, j'étais à la fiesta et ramenais quelques trucs. Donc voilà le problème de ma feuille. Et la légumineuse, en fait, nous apprend ça. Hein? Et tout d'un coup, quand il n'y a plus de nitrate là, ben, c'est la légumineuse qui pousse dans la paille, hein? Ou dans le bois, et on le sait super bien. Hein? Donc voilà. Donc, et nous, on s'entête à vouloir faire pousser du blé ou du je ne sais pas quoi. Enfin bref, hein? Vous voyez les problèmes qu'on a. Donc on va avoir des problèmes. Où est l'azote? Comment l'azote va arriver dans le sol? Mais ça, on verra cet après-midi. Si demain on dit qu'on a plus d'urée, comment on fait ça ? Il va rester de l'urée parce que je vais créer une vraie polémique nationale. Ça, quand ça va être diffusé, c'est la polémique. Hein ? C'est, y a pas de problème, je peux l'assumer, il faut que je l'assume, c'est comme ça, j'ai compris ça. Hein ? Il faut que ce travail ait lieu. Je fais actuellement un mémoire d'ingénieur sur toutes ces formes d'azote qu'on ait la bibliographie validée qui vient avec. Oui. En supprimant. Est-ce que, la polémique va pas arriver un petit peu tard ? Oh, mais t'occupe pas de ça, là. Sur la politique, j'y crois pas, si tu veux. C'est, votre projet, il n'est pas politique. Votre projet, il est agricole et paysan. Il est dans le temps. Tu ne peux pas te satisfaire de 3 mois, il y a ci, 2 mois après, il y a autre chose. Tu ne peux pas. Ton truc, c'est dans le temps. On travaille pour les 20 prochaines, les 30 prochaines années. Est-ce que ça ne vient pas politiquement, mais ça vient des industriels, des meuniers, des comme ça qui travaillent la farine de blé et qui ont besoin de qualité politique. Eh bien, on a changé le plan de fumure chez ces meuniers-là. Hein. C'est-à-dire, on a remonté à la COP qui fait le boulot et on a changé les plans de fumure. C'est-à-dire que l'azote qui est mis, ils travaillent encore avec de l'ammonitrate, mais on met plus tôt. Hein, à cause du stress hydrique potentiel. Hein. Pour l'instant, on n'a pas encore changé les formes d'azote, mais on peut commencer à bouger énormément. Hein. Et on va voir cet après-midi qu'on peut bouger beaucoup. Hein. En même temps, si vous voulez rendre les plantes plus résistantes, c'est celui qui nous vend la nitrate. Oui.
ils vont aussi des phytos, ils vont aussi des herbes. Oui, 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 mais ça va ensemble. Mais tu verras que c'est pas, il fait pas ça pour te faire du mal, si tu veux. C'est pas intentionnel. Quand tu vas piger cet après-midi la suite, tu vas te rendre compte qu'autour de l'azote, en fait, des maladies des plantes, etc. Il y a un concours de circonstances qui fait que c'est comme ça. Hein? Et ce concours de circonstances qui dépend de politique, d'opportunités, etc., de demandes à l'industrie, mais toi, tu n'y peux rien, mais tu n'es pas le dindon de la farce. Eux-mêmes, ils sont de bonne foi parce qu'ils ont toujours travaillé comme ça, et ça a été validé comme ça, et jusqu'à preuve du contraire, la science, c'est un truc compliqué. C'est-à-dire, jusqu'à preuve du contraire, ce que tu fais aujourd'hui, c'est juste. Hein? Mais pour le modèle du développement durable, là, tu sais, croissance, décroissance, tu peux dire, c'est barré. Jusqu'au moment où tu mets en route le nouveau modèle. Et là, tu peux dire, tout ce que vous racontez à la télé, c'est, allez, poubelle, hein? C'est sûr, puisque ton modèle, il te dit que ça marche différemment. Hein? Donc, les erreurs, elles sont dans le GIEC, d'accord? Les erreurs, elles sont chez la Deep Ecology, chez les écolos, chez les bobos, partout. C'est que tout ça, c'est que de la bouillie de neurones, mais c'est de la bouillie, quoi. Ça, c'est pas structuré, hein? Parce que le modèle est faux, mais jusqu'au moment où tu comprends qu'il est faux, et comme tu es tout seul à l'avoir compris, avant que ça arrive à Paris, hein, il y a un petit peu de travail. Hein. Donc le débat, il ne se fait pas par la politique, le débat, il se fait par la preuve que je travaille mieux qu'avant. Que mon système, il fonctionne, c'est ça. Mon système fonctionne bien, j'ai la preuve que ça marche. Et on le fait en bio et chez les autres, c'est le même raisonnement agronomique. Et après, on regarde ce qu'on a à disposition pour passer à travers des pièges. Vous devinez les pièges, hein? Où est l'azote, hein? C'est la grande question. Hein? Et avant d'avoir l'azote de la biologie, laquelle je dois mettre, comment? Donc on va continuer à faire le chemin de l'azote, là. Quand vous aurez fini sur le thème de la monotrate, oui. Vos travaux, vous mettra sur le thème des végans, puis vous viendrez pareil. Oh ben non, mais les végans, il n'y a pas de problème avec les végans. Aujourd'hui, tu peux manger ce que tu veux. Voilà. C'est tout. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que du lait de soja, c'est bien plus toxique que du lait de vache. Voilà, parce que c'est plein de perturbateurs endocriniens, etc. Autant qu'ils boivent du glyphosate tout de suite, le pauvre gars. Hein? Mais oui, parce que c'est beaucoup plus dangereux. Hein? Il manque la vitamine B partout, puisque ça vient principalement du règne animal. Alors, s'il ne veut pas manger de la viande, au moins des œufs. D'accord? Parce que la vitamine B est un facteur de croissance important, antioxydant important pour le système biologique et l'immunité. Sans vitamine B, tu crèves. Et donc, vegan, plante, il n'y a pas de vitamine B. Il y a une seule tribu sur la terre vegan en Inde qui subsiste depuis des milliers d'années vegan. Tu sais comment ils font? La vitamine B, elle est dans la terre. Donc, ils mangent les légumes non lavés. Pour ingérer de la terre, autour de la rhizosphère, tu as de la vitamine B. D'accord? Donc, tu dois manger ta carotte pleine de terre. T'es prêt? Hein? Non, mais c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir un bon dentiste. C'est tout. Hein? Mais non, mais tu te fais arracher tous les dents quand elles sont usées, tu t'en fais mettre des neuves, tu sais, elles se vissent après. Et puis quand t'as usé le deuxième râtelier, ben t'en mets des neuves, c'est pas très grave. Hein? Hein? C'est pas des conneries, donc on a, en fait, le problème il se pose pas, tu peux faire ce que tu veux. Laisse les faire. Hein? Est-ce qu'à Paris, le 16 mai, vous aviez dit on est dans une politique de destruction de l'élevage et l'élevage est nécessaire pour remettre la vie dans les sols. Voilà. Oui, oui, mais les vaches, oui, oui, oui. Parce que la bouse, c'est un truc un petit peu bizarre. Hein, ouais. D'accord? Partout où il arrive une bouse d'une vache en bonne santé, il se passe des trucs extraordinaires et en fait, on le sait. Ah mince, j'ai plus la luzerne là. Ouais. En fait, on le sait de la luzerne. En fait, elle fait un truc un petit peu bizarre. J'enquête là-dessus parce qu'on pense qu'on va pouvoir être autonome à 100%. Même avec zéro concentré, tu vas pouvoir faire 30 litres de lait demain. Et 2 kilos de GMQ avec le bétail. Mais il faut une fibre. Et il faut une fibre un petit peu spéciale. Et en fait, si on en revient à la luzerne, donc le sol... Ma luzerne, elle pousse, voilà ce qui lui arrive, hop, là ses racines, elle fait des feuilles, hein.
donc la luzerne. Et la luzerne, elle fait un truc, en plus de ses nodosités, l'azote, etc., elle fait un truc, quand elle a des feuilles, hop, ici elle a une fleur, et elle va faire de la graine. Voilà, hop. Et à ce moment-là, voilà ce qu'on a trouvé dans les biblios. Cette luzerne, elle fait un truc très particulier. Elle vient chercher des bactéries lactiques aérobies et des bactéries lactiques anaérobies. Alors la luzerne, ça tombe bien puisqu'elle a les racines jusqu'à 1 mètre. Tu sais, il n'y a plus beaucoup d'oxygène en bas. Donc elle a les deux. Et donc ces deux types de bactéries, elle les fait migrer. Et elle en met dans la graine. Hein? Donc la graine, c'est plus bactéries lactiques aérobies plus anaérobies. Voilà. Alors tu dis, mais à quoi ça sert? Donc toutes vos graines, si elles sont bien construites avec de la biologie dans le sol, elles mettent des bactéries lactiques dans le grain. À quoi sert la bactérie lactique? Et en fait, ça, c'est un conservateur. C'est pour la conservation, mais... C'est pour la santé du grain. D'accord ? Hein, c'est pour garder le grain en bon état. C'est pour lutter contre les maladies du grain, etc. C'est un antioxydant, oui ? Oui, c'est antioxydant aussi. Hein. L'acide lactique, produite par les bactéries, antioxydant puissant. Et donc, du coup... Là, on emblinde les graines, on construit les graines avec, on en met dedans, dessus. Pourquoi ? Parce que la graine, elle va tomber où ? Quand elle est mûre ? Dans la nature. Elle tombe au sol, et là, elle est en danger. Elle est en danger de quoi ? Ben, des ultraviolets, de la pluie, du beau temps, des bactéries, des insectes. Tout ce qui traîne là va manger des graines. Les carabes, j'en sais rien, moi. D'accord ? Donc, cette plante, elle est en danger. Donc elle protège sa graine le plus possible pour lui donner une espérance de vie. Et c'est pour ça qu'elle en produit beaucoup. Les Américains nous ont montré que dans la nature, il n'y a que 3% des graines capables de germer. Toutes les autres se font avoir. Donc t'as peur des graines ? Mais non, laisse-les sans y toucher. Elles se feront manger ou elles seront détruites par les UV, etc. Donc il n'y a pas beaucoup qui poussent. Hein. Mais 3%, ça fait encore beaucoup. Hein. Voilà. Mais ça marche comme ça. Donc la graine, elle est là, et elle est en... Donc, quand elle tombe, cette graine ici, la graine, elle va être danger. Elle est en danger. Et donc la plante, elle continue le job. Et donc elle va enrober sa paille. Donc c'est paille plus bactéries lactiques. Voilà. Pourquoi elle enrobe sa paille de bactéries lactiques ? Parce que là aussi, ben c'est pour la bonne santé de la paille, mais elle sait que la paille va couvrir la graine. Donc elle va lui donner une deuxième chance. Ok ? Alors maintenant, imagine que cette paille d'une luzerne porte-graine, tu la récoltes sans lui mettre un produit sur la figure. Parce que si tu mets du réglone, tu vas décaper tout ça. D'accord ? Par contre, si tu coupes et tu fais préfaner naturellement, tu vas le garder. Et imagine que cette paille plus ces bactéries lactiques aérobies, anaérobies, ça rentre dans le rumen d'un animal. Qu'est-ce qui va se passer ? Oui, tout simplement. Ça veut dire grosse performance d'une paille qui est censée avoir un rapport nutritionnel zéro. Mais ça, c'est la chimie, parce que notre pense, c'est pas de la chimie, c'est d'abord de la biologie. Et donc, on se rend compte que ces pailles qui ont une valeur nutritive ou nutritionnelle proche de ridicule, elles sont d'une excellente qualité productive. Et en plus, vous allez mettre ces bactéries dans le rumen, donc vous allez faire la bonne santé et l'assainissement du rumen. Pas de maladie. Une vache qui rumine bien parce qu'elle a de la paille dure. Donc, il valorise. Et donc, la bouse, hein, la bouse, ben, elle va récupérer tout ça. Donc, elle va améliorer au-dessus du sol. Mais c'est pire que ça, parce qu'en fait, ce qu'ils ont montré,
c'est qu'une fois que ça, là, ça rentre dans le rumen, eh bien, si on mesure B1, B2, B3, à l'entrée sur la paille, le rumen, lui, il va fabriquer tout et toutes les vitamines. C'est-à-dire A, B, C, D, E, d'accord ? K. C'est-à-dire on se rend compte que le rumen, il va synthétiser plein de choses qui n'existent pas. Il va fabriquer, les bactéries et les champignons du rumen vont fabriquer tout un tas de trucs qui n'existaient pas quand tu as mis la paille avec les bactéries lactiques. Donc tu auras une bouse enrichie en vitamines, d'accord ? Enrichie avec tous les micro-organismes du rumen et enrichie en bactéries lactiques. Donc tu vas mettre le sol en bonne santé. Mais c'est spécifique à la luzerne ou à ce que... Non, c'est probablement le mécanisme chez toutes les plantes. Et maintenant, on commence à pleurer. Devine où ? Le premier débat chez les éleveurs, c'est surtout pas un fongicide pour récolter une plante. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le fongicide, il va nous décaper, en fait, la plante. D'accord ? Et il va... Oui, je sais pas, le fongicide, c'est les champignons, là, on est en train de parler des bactéries. Oui, mais ça attaque tout, parce que t'as pas que les champignons, t'as aussi les adjuvants, les machins, tu décapes. Donc tu sais pas ce que tu fais sauter réellement. Gros problème, hein ? Et donc on s'est rendu compte qu'on a changé les techniques de protection des plantes pour récupérer le plus possible quelque chose. Le dernier fongicide sur les pistes, c'est catastrophique pour la paille qui va à un troupeau. Ah ben oui. Les SDHI sont interdits à la vachereuse. J'en veux plus. C'est toujours le bazar. Et le chlorothalonil, on va supprimer ? Oh ben tant mieux, t'as pas besoin de ça. Ouais. T'as pas besoin de ça de toute façon. Non, je sais pas. Non. Je te le dis, d'accord ? C'est valable pour toutes les plantes ou uniquement la luzerne, que la luzerne ? Non, alors pour la luzerne, on est en train de faire, on a remonté la documentation, on a tout. Hein ? Mais on pense que toutes les plantes ont ce mécanisme-là. Et quand tu auras des sols vivants, toutes les plantes fonctionneront comme ça. Parce que ça paraît logique. C'est pas obligatoirement des bactéries. Par exemple, le lotier est très riche en tanin. Oui. Le tanin, tu l'as dans la lignine de la tige, par exemple. Tu l'as en plus. Oui, mais il peut jouer ce rôle-là. Oui, il va aider pour la fabrication ici. Hein. Mais en fait, la panse de l'animal, c'est un truc très, très, très particulier qui vous fabrique des choses qui n'existaient pas, qui reviennent sur votre sol. C'est-à-dire un sol d'élevage avec des fumiers de vaches en bonne santé, eh ben, c'est plus de vitamines, plus d'antioxydants, plus de, donc une meilleure santé des sols et des plantes qui poussent sur ces sols. De toute façon, elle ne s'y trompe pas non plus, elle, parce que l'année dernière, on a chauffé du dessiquage mécanique hein, pour les porte-greffes. Oui, oui. Et l'an dernier, on a récolté les pailles. Ben oui, parce que voilà. Sécheresse oblige. On ne pensait pas que ça avait une grosse valeur, elles se sont jetées dessus. Ah ben oui. Oui, oui. Elles, ouais. Intuitivement, elles le savent. Hein. C'est... Par contre, vous parlez des bouses, mais alors quand on parle de fumier, est-ce qu'on a des pertes de tous ces... Bon, on verra cet après-midi, parce qu'il va falloir faire une pause, mais globalement, oui, il va y avoir des pertes. Tous les fumiers ne sont pas bons. Si j'ai des vaches en acidose, par exemple, on le voit avec les lisiers, c'est pareil, hein, des vaches qui ont des fourrages trop solubles, ça fait des fumiers de très mauvaise qualité, des lisiers de très mauvaise qualité, des vaches malades, hein, globalement. Donc la solubilité des fourrages, ce n'est pas forcément un bon indicateur de qualité. Oui, 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 mais justement, on a des grosses surprises avec ça. On arrive chez les vaches, justement, ça fait une dizaine d'années qu'on fait des légumineuses très très luzernes. On apporte des vélages assez de précoces au mois de décembre, mais on n'achète aucune protéine pour les vaches. Non. C'est... On pense que certaines vaches, ou peut-être toutes les vaches qui sont en bonne santé, en plus, quand vous rentrez ces super foins là, que vous pourriez faire à partir des porte-graines, vous avez un truc très particulier qui rentre. Sur la feuille, là, vous avez, ici, sur les feuilles des plantes, vous avez des azotobactères. En fait, il n'y en a pas que dans le sol, visiblement. Et donc, vous rentrez dans le rumen un individu qui est potentiellement capable d'utiliser de l'azote. D'accord ? Mais de l'azote qui vient du gaz qu'il y a là-dedans.
C'est-à-dire que la vache, elle respire, elle ingère quand même du N2. D'accord ? Et donc, on pense que les azotobactères valorisent du N2 dans le rumen. Hypothèse. Ouais, mais tout ça, ce principe-là, c'est qu'au stade où c'est la graine aussi. Ben, il faut, oui, apparemment, il faudrait aller assez loin dans le stade des plantes. Parce que quand on récolte, généralement, c'est sur les ongles. Oui. Mais pour aller au bout, il faut aller loin, si tu veux. Donc, on fait une partie du fourrage comme ça, aujourd'hui. Ça doit être un ensilage, parce que j'imagine que... Non, l'ensilage, t'es toujours trop tôt, si tu veux. Mmh. Ouais. Et puis la conservation doit dégrader... Ah ben là, après, conserver ça, c'est compliqué. C'est... Parce que c'est que des chicots, quoi. Hein. Mais sinon, l'hypothèse, la luzerne, ça, on l'a documentée. Donc je vais faire une fiche, là, pour les éleveurs. Mais on pense que toutes les plantes doivent sans doute fonctionner comme ça. Ça paraît très logique quelque part. Parce que vous donnez un foin de porte-graine de reira à des vaches, elles se jettent dessus. C'est le premier truc qu'elles mangent. Tu mets la meilleure bouffe et ça, elles vont toujours là-dessus. C'est des choses assez bizarres quand tu as des animaux. Donc si jettent dessus, c'est comme toi, on te met de la chantilly, allez. Bon, moi alors. Donc on a des acides aminés. Ça vaut peut-être le goût d'équipement. Est-ce que ça marche vraiment ? C'est à surveiller. En fait, on est sur des produits, c'est des fermentations de végétaux. Voilà. Et quand vous faites vos fermentations, c'est des trucs qui dosent 30% d'acides aminés. Et là, on ne sait pas trop si c'est des courts et des longs. On a plutôt pas mal. Donc, dans les premières formules qu'on a trouvées sur Internet, c'est du bois plus du sucre. Hein? Ça fait combien de temps à fermenter du bois ? Je ne sais pas. Je ne connais pas les recettes. J'en ai fait fabriquer. Hein? Et en fait, donc ça, c'est liquide dans le sillon, voilà, et on en met 30 litres à 40 litres hectare, voilà. Et ça, on pense, on va faire, donc ça va aller pour le maïs, tournesol. Extrait fermenté là ? Non, les acides aminés. Ah. Oui, mais de ce produit-là, oui. Tournesol, on pense qu'on pourrait essayer ça pour du soja, d'accord ? Et qu'est-ce que vous avez que vous semez en rang où c'est assez facile à incorporer? C'est à peu près tout. Au moment du semis ou c'est... Oui, il faut mettre au semis dans le sillon. On peut pas l'appliquer sur le sillon. Non, on pense que c'est trop dilué, si tu veux. Ouais. Quand tu en mets 30 litres, c'est des trucs qui dosent, ça dose à peu près 30% d'acide aminé. Ça veut dire que tu as mis 10 kg d'acide aminé pur. Hectares, et au pulvérisateur, tu vas complètement diluer. Donc là, ça n'a pas l'air efficace pour en avoir fait. Voilà, ça n'a pas l'air efficace. Par contre, quand on prend une seringue et qu'on le met près d'une racine, ça y va. Hein? Donc visiblement, il faut que ce soit... Non, parce que ce n'est pas lessivable et ça reste dans le sol, si tu veux. Oui. Et donc, c'est quand on peut incorporer un liquide au semis, c'est là qu'on a le mieux. Donc aujourd'hui, on a assez facilement sur les maïs. Maïs, soja, tournesol, on peut semer ensemble. Et puis après, en céréales, j'ai un mec qui en a mis, mais globalement, on pense que ça remplace un demi fumure N minéral, ce que j'ai. Donc on est dans ce genre de réflexion. En mettant dans le sillon. Oui. Il n'y a pas de relais en végétation derrière, c'est uniquement le sillon. C'est que dans le sillon. On ne sait pas trop comment ça marche. Ce n'est pas un engrais starter, c'est un engrais croissance réellement. Hein, et on ne sait pas quand est-ce qu'il intervient. Visiblement, il faut de la chaleur. J'ai un essai sur blé là, qui est quand même 3 hectares, le gars, je dis courageux. Ben, le blé, il rame.
parce qu'il a fait froid, etc. Et donc il me garde une bande et on a remis une fertille, on a divisé par deux en fait. Il a son témoin classique et là on a une fertille divisée par deux plus acide aminé, plus un témoin avec zéro. Mais que les acides aminés sur blé, on est très en retard. Donc je ne sais pas comment on va sortir, je me laisse surprendre, mais du coup je lui dis de remettre un demi-plan de fumure quand même. Parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est dans le sillon, au pulvé, ça n'a pas l'air de marcher, et sur les plantes, ça ne marche pas non plus. C'est en pulvérisation foliaire. Ah oui, ça ne marche pas. Non. Mais c'est vraiment dans le sillon. Oui, et après la lumière, c'est très sensible à la lumière, à nouveau, on est dans les trucs bactériens, tout ça. Donc à un moment donné, tout de suite enfoui et terminé. Et donc là, j'ai des bons succès en maïs, là, dans ce genre de configuration. Ça a l'air intéressant. Nos extraits fermentés dedans, c'est des bactéries aussi, des bactéries, oui, des champignons. Oui. Est-ce qu'on aurait intérêt à traiter du coup le soir et que toute la nuit passe dessus, ou plutôt le matin au lever du jour et puis qu'après il y a le grand soleil? Si tu as un produit frais, tu as intérêt à le faire le soir. Ouais. Pourquoi? Parce que ton soleil dégrade très vite, c'est un oxydant puissant qui détruit tout. Et dans vos extraits fermentés, si vous l'avez bien fait, vous avez aussi tout un tas de bactéries, des humines, des hormones de croissance, etc. Et dès que le soleil va tomber dessus, il va vous les niquer. D'accord? Donc c'est bien de traiter ça le soir, à mon avis, ou le matin très tôt, comme vous savez faire. Hein. Hein, parce que quand vous allez très tôt le matin à la levée du jour, il n'y a pas de vent. Volume, il y a de la rosée et ça passe directement dans la plante. Ça. Justement, oui, il disait que les extraits fermentés, c'était surtout le matin pour l'absorption par les feuilles. Mmh. Oui, oui, oui. Quel type de fermentation aussi? Comment? Ouais, bah, si tu fais de la prêle pure, on dit qu'il faut mieux la faire le soir, autrement avec le soleil, ça crame tout. Ah bah oui. Ou avant le jour, si ouais, tu veux. La lumière, la silice, s'il y a de la lumière du soleil qui tombe dessus, tu peux être brûlé au troisième degré. Hein. C'est hyper dangereux. Alors on ne sait pas tout, on ne sait pas comment ça marche, mais globalement, tu as l'impression qu'il n'y a rien, et toi, tu vas te... J'ai vu des paysans brûler, quoi, réellement, ça fait des plaques. C'est traitement à la silice avec le soleil. Donc, il y a des trucs, il faut faire un petit peu gaffe, donc les bons traitements avec ça, c'est le matin de très bonne heure, quand il y a de la rosée, etc., là, ça marche bien, et quand vous n'êtes pas sûr de la météo, faites-le le soir. Voilà. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais non, mais c'est bien, c'est quelque chose qui va avancer. Je vois, vous êtes quasiment bien calé. On a beaucoup parlé de fertilisation. Oui. Question que je me pose et qu'on se pose un peu dans le groupe, c'est après derrière, comment on contrôle la bonne nutrition de la plante en cours de végétation? On ne sait pas faire. Voilà. Avec ces systèmes-là, il n'y a aucune OAD qui fonctionne. Et donc, on pense que il faut voir les plantes, en fait. Et peut-être, on est en train d'essayer le Brix. Hein, c'est-à-dire des jus de tige, des concentrations de sève en sucre. Voilà. Et on pense que ça va être ça, la bonne méthode. Hein. Pourquoi? Parce que si on a pigé l'histoire de la feuille de ce matin-là, à un moment donné, il y a une feuille qui sera plus concentrée en sucre qu'une autre. Et là, vous allez avoir le fil rouge qui apparaît. Donc chaque plante a sa concentration, c'est de l'habitude. Hein. Et il faut toujours faire chez le même gars, la même heure à peu près, c'est au même moment de la journée. Parce que le taux de sucre, il monte avec la journée et la photosynthèse. Donc si tu compares le matin et l'après-midi chez le même mec, ça ne va pas. Par contre, toujours le matin, à peu près à la même heure, ça pourrait être assez intéressant. Et on pense que le meilleur outil de gestion, c'est le visuel. De toute façon, tu le vois, ta plante, elle va bien. Hein, et le Brix, probablement. Le Brix, le réfractomètre. Hein. Et ça, c'est... aussi, la difficulté, c'est le référentiel derrière. Il n'y en a pas. Donc, c'est comme toutes les pratiques aujourd'hui qui sont innovantes un petit peu. Personne n'a de référence parce que ce n'était pas la réflexion. Hein. Le temps que ça vienne, ça prendra 3-4 ans. Les instituts s'y mettent. Tout le monde regarde ça quand même. Donc, dans 3-4 ans, tu auras une espèce de grille qui va se valider. Et là, tu es obligé d'y aller un petit peu par défaut, mais en fait, une plante en bonne santé, ça se voit. Hein? Elle est verte, elle pousse bien, elle n'est pas malade. Hein? En gros, voilà. Et,
quand c'est du cas, il doit avoir un peu de référentiel là-dessus. Oui, mais c'est de l'habitude t'sais, d'un faiseur, si tu veux. Ouais, je pense qu'il n'a pas, de grille établie, et s'il en a une, il ne te la donnera pas, de toute façon. Ouais. Donc, il n'est pas tout à fait dans la même vulgarisation que nous. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est un outil intéressant. Et dans le débat, comment je m'y prends, moi, je ne m'embête pas beaucoup. C'est la santé du végétal, ça se voit, une plante qui est saine, elle est verte, foncée, d'accord ? Les fertilisations à l'urée nous rendent des plantes en meilleure santé que les fertilisations à l'ammonitrate, ça c'est sûr. On est à peu près sûr que garder l'ammonitrate, c'est ne jamais réussir la lutte biologique à cause du problème de l'oxygène. Et quand on fait de l'oxydoréduction avec Olivier Husson, ben on l'a comme ça, c'est sûr. Donc à un moment donné, il y a un vrai débat autour du plan de fertilité. Et aujourd'hui, les éleveurs, où on peut faire des plants fertiles, organiques, urées, et un petit peu d'ammonitrate et de soufre starter, eh bien, c'est là qu'on a les plus belles solutions, les plus beaux... Enfin, c'est joli, il y a peu de maladies, il y a peu de problèmes.